Aujourd'hui, on va parler technique, métier et pratique inspirante. Donc moi, je suis Caroline Bodbol, je suis la présidente du pôle qui est à l'origine du montage de ce symposium, qui a été copiloté à plusieurs têtes, plusieurs métiers différents et complémentaires autour de la thématique toujours du patrimoine. Et cette année, la thématique s'oriente sur l'environnement et comment est-ce qu'on peut revoir un peu les process de chantier pour améliorer toute la chaîne opératoire. Et c'est pour ça que j'ai fait venir Pascale Sinève, qui est à mes côtés, qui vient de Belgique, mais pas que. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Et Pascale, je l'ai découverte par hasard. Je vous raconte quand même la petite histoire, parce qu'elle-même n'en revient pas. J'ai pianoté sur Internet pour chercher quelqu'un qui dispense des formations sur le sujet. Et je suis tombée complètement par hasard sur Pascal et j'ai eu un gros flash. Alors pareil, elle ne comprend pas pourquoi, mais vous allez voir, je pense que ça va être pas mal. Et Pascal, en fait, va nous apporter une vision globale de tout ce sujet-là que je souhaite qu'on traite ensemble aujourd'hui. Et pareil, elle a un métier qui pourrait sembler éloigné des nôtres. Mais bon, au final, je pense que tout s'imbrique les uns dans les autres. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire des combinaisons savantes pour réussir à faire émerger quelque chose d'un peu logique et pratique. Voilà. Et je pense que Pascale est très pragmatique et elle va bien réussir à cadrer et poser les choses dès le départ. Et ensuite, à la fin, on fera une table ronde qui réunira tout le monde qui nous servira à vraiment réfléchir ensemble et peut-être pas trouver des solutions tout de suite, mais bon, déjà, il y aura beaucoup de praticiens aujourd'hui qui apporteront beaucoup d'éléments et également des personnes qui dispensent des formations dans des domaines très différents aussi des nôtres. Enfin, moi, j'ai cherché vraiment la différence dans ce programme-là d'aujourd'hui, des choses qui dénotent un peu, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou des choses qu'on connaît déjà mais qu'on aimerait bien faire partager. Et donc voilà, il y aura des ingénieurs de l'école des mines d'Alès, enfin pas que ingénieurs, ils vous se présenteront plus en détail tout à l'heure, mais j'ai bien aimé aussi cette approche différente du milieu de l'artisanat un peu plus classique, enfin dans le sens, pas que des praticiens, aussi la partie génie civil, en plus des constructions des particuliers, et voilà, quelque chose de très varié. Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et Pascal, je vais te laisser donc commencer en te présentant un petit peu avant de te lancer dans l'introduction, si tu veux bien. Merci beaucoup. Je te laisse la place. Oui, donc, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai quand même réfléchi un tout petit peu avant de dire oui. Voilà, parce que je me demandais si je collais avec le sujet, etc. Donc je vais vous expliquer très rapidement. J'ai lâché les grandes entreprises en étant convaincue qu'il fallait faire quelque chose pour l'environnement. Donc ça s'est déroulé quand je vivais au Japon. J'ai vécu au Japon et travaillé au Japon pendant 12 ans dans la finance. Donc je sors du centre de la finance de Chicago, ce qui peut paraître un petit peu étonnant, et je me suis posé des questions sur moi-même après, voilà. Mais je suis très contente de l'avoir fait et de pouvoir comprendre comment la finance fonctionne pour y apporter l'aspect, je n'aime pas beaucoup qu'on parle uniquement de vert, mais en tout cas l'aspect durable et environnemental. Et de fil en aiguille, donc on a lancé une association et une entreprise, et on est parti vers l'investissement. Donc l'investissement, un fonds à impact. Aujourd'hui, c'est on entend parler d'impact un petit peu partout, et il y a maintenant près de 15 ans, les fonds à impact, il n'y en avait quasiment pas. Donc, avec la crise de 2008, on a eu des soucis, évidemment, parce qu'un fonds à impact n'est pas un fonds opportuniste. Ça veut dire que tous les curseurs des ordinateurs qui étaient automatiques, évidemment,
les stop-loss, donc pour arrêter les pertes financières, n'était pas le fonctionnement que nous, on avait, qui était un fonctionnement d'analyse fondamentale des entreprises. Donc ça voulait dire vraiment aller rechercher que les entreprises qui correspondaient à un certain nombre de paramètres. Et de fil en aiguille, on est devenu maintenant investisseur en direct dans des start-up qu'on amène sur le marché japonais, étant expert du marché japonais, dans essentiellement la biomasse, pour le bâtiment. Et on nous a demandé, vu tout ça, de partager notre connaissance. On a choisi de se spécialiser dans les certifications environnementales internationales. Donc, moi, je suis lead EPI, donc lead HQE. On a lancé HQE à l'international en 2011. Et donc, BRIM, par exemple. Donc, les certifications globales, multicritères internationales. Et de fil en aiguille, on nous a demandé de prendre l'aspect central, qui est l'aspect énergétique, et de voir ce qu'on pouvait faire. Donc, on est consultant en entreprise pour tout ce qui est process et pour ce qui est aussi de la gestion thermique des bâtiments, surtout dans des... aujourd'hui, depuis la crise, les industriels se sont rendus compte qu'ils avaient bien géré leur process au niveau de la partie... fabrication, mais que leur bâtiment administratif était relativement mal géré, et ainsi de suite. Et on m'a demandé également donc d'intervenir à l'université, donc la fac, auprès des ingénieurs de la construction. Donc je donne deux cours à l'ECAM, qui est une école d'ingénieurs à Bruxelles. Et je donne le cours d'économie. Donc, l'économie, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Donc, c'est plutôt l'économie de transformation ou de transition. Et un cours également sur l'introduction à la construction durable. Parce qu'on constate qu'il y a quand même pas mal d'inertie pour que les cursus universitaires soient, collent avec la réalité du terrain. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des choses. J'ai volontairement donné, ça c'est en accord et en discussion avec Caroline, sinon je ne me serais pas présentée aussi longuement, mais pour que ce soit très clair pourquoi je suis là. Voilà. Merci. Non, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, c'est validé. Je vais prendre le micro deux secondes avant que tu te lances dans l'introduction. Désolée, Pascal, je viens de... me rappeler d'une chose assez importante, comme tu dis, le déroulé un petit peu de la journée, parce que moi, on a pensé ensemble le programme et j'avais quand même une bonne trame dans la tête. Donc, je vais vous décrypter un peu le programme en deux petites phrases, un petit peu plus. Mais... Donc, l'idée de ce programme-là, donc avec Pascal, c'était d'avoir la vision globale. Ensuite, j'ai invité Frédéric Corset, architecte et urbaniste, directeur d'Envirobat BDM, pour mettre en valeur les relations entre les entreprises de l'éco-construction et les institutions. Parce que ça c'est vraiment la chose la plus improbable qu'on puisse imaginer, alors que ça existe. Et l'idée, c'était de montrer que ça existe et comment on peut y arriver. Donc, on écoutera Frédéric là-dessus. Ensuite, j'ai invité tout un groupement d'architectes qui viennent de Lumini, à Marseille, qui ont fait un gros travail de récolte de données sur les ressources naturelles locales, mais après, je ne sais pas jusqu'où ça va, justement, je vais découvrir ça aussi avec vous. Et puis, j'ai invité ensuite, là, on va passer plutôt à la matière, dans la pratique, avec Nigel Copset, qui vient d'Angleterre, qui est un tailleur de pierre, qui s'est souvenu, en fait, comment on utilisait la chaux, simplement. Donc, vous allez découvrir ça aussi avec nous aujourd'hui. Et la matinée se terminera avec des formateurs de l'école des mines d'Alès, donc Jean-Claude Souche et, je ne vais pas écorcher, Belkacem Otazagin. Merci. Qui sont tous deux docteurs
et pour Jean-Claude, également ingénieur. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir ce côté voilà, génie civil dans la matinée, qui est indispensable, je pense, sur ce sujet. Et ils vous parleront de leur vision d'ingénieur, et toutes ces visions-là se regrouperont à la fin. Voilà, c'est ça qui me plaira dans cette journée. Et l'après-midi, je la laisserai à François pour la présentation. Et je rappelle les horaires, tout à fait. Très bonne... Non, c'est juste qu'on avait prévu 2 heures de pause pour le déjeuner, et on s'est dit qu'en fin de journée, il n'y aurait plus personne. Donc on va remonter un peu le programme, on va redémarrer l'après-midi à 13h30 au lieu de 14h. Voilà. Pascal, je te laisse la parole du coup pour l'introduction. Oui, c'est... Alors, je vais vous parler de choses qui sont fortes et qui, on m'a dit aujourd'hui, j'ai travaillé à Paris pendant 3 jours, là, et on me dit c'est un petit peu utopique, et j'ai répondu non, pas du tout, il faut une vision. Et donc, ici, moi, je vais commencer par l'aspect scientifique, et de l'aspect scientifique, je vais passer à l'aspect économique, et pas l'inverse, parce que l'aspect scientifique, c'est vraiment des données qui sont évidemment évolutives, mais qui permettent d'avoir une base pour fonctionner, et pour fonctionner de manière aussi neutre que possible, sans l'apport politique, l'économie libérale, etc. C'est vraiment de se dire quelle est la situation aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut rapidement y remédier, si possible, évidemment. Donc je vais partir de notions qui sont vastes, générales, globales. Accrochez-vous tout simplement, parce qu'il y a un lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, c'est indispensable de savoir dans quel cours on joue, dans quel jeu on joue, pour pouvoir agir en ayant une vision et pas en travaillant le nez dans le guidon, ce qui est le cas. Je ne dis pas du tout que moi, je ne suis pas épargnée de ce type d'approche, mais c'est pour éviter donc, de continuer sur certaines voies qui peuvent être en fait des voies de garage ou des voies qu'on doit modifier, évoluer, faire évoluer, etc. Donc voilà, donc je vais... Je vais commencer par ce que vous connaissez fort probablement, les limites planétaires. Donc les limites planétaires, c'est un... Je vais quand même bouger, j'ai pas du tout l'habitude de rester assise. Donc les limites planétaires, il y en a 9. Elles ont été établies par un groupe de chercheurs de Stockholm. Elles ont été établies en 2009 et évidemment, on ne va pas aller du tout dans les détails de tout ce qui se cache derrière ces limites planétaires, mais donc c'est un travail absolument sérieux, et c'est un travail qui maintenant influence les décisions mondiales, notamment au niveau de l'ONU, les COP, etc. Et c'est un travail qui permet de savoir où on se trouve par rapport à tout simplement la planète. Aujourd'hui, en 2023, tristement, on a dépassé déjà 6 des 9 limites planétaires. Donc il y a, par exemple, le changement climatique, les problèmes de biodiversité, les problèmes d'acidification des océans, etc. Et ce que dit la science ici, c'est mal compris, les limites planétaires, vous avez donc ces limites. Si on dépasse les limites, c'est une espèce de précipice. Ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. C'est que si on dépasse les limites, on tombe dans une zone grise où on ne sait pas trop. Donc les scientifiques nous disent, nous, on peut jurer de rien, on ne sait absolument pas ce qui va se passer si on dépasse ces limites. Et donc
La première chose, c'est qu'on les a, on en a dépassé 6 sur 9. Ça donne une idée de l'importance et du rôle de l'homme, donc de son impact sur la planète. Et donc ici, ce que disent aussi les scientifiques de Stockholm, et surtout la personne qui est une espèce de porte-parole, qui est Johan Rockström. Si vous avez l'occasion d'écouter ses conférences, faites-le, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et c'est lui qui porte dans le monde entier ces 9 planètes, enfin c'est cette conception de ce concept des 9 limites planétaires, pardon. Et lui indique aussi que ça veut dire que l'homme est réellement parvenu à modifier le fonctionnement tout simplement de la Terre, donc l'équilibre terrestre, que pendant 11 700 ans, pendant ce qu'on a appelé l'Holocène, on a eu un équilibre agréable sur Terre, une température qui variait de grosso modo 1,5 degré autour des 14 degrés. Vous avez donc. Je vais vous montrer la diapo pour que ce soit. Pour que ce soit plus clair. Donc, il parle d'un couloir dans lequel on doit rester pour pouvoir continuer tout simplement à vivre, donc au niveau de l'être humain. Il parle de ce couloir et il montre qu'en fait, on ne doit pas dépasser, contrairement à ce qu'on a dit à la COP21, on ne doit pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. Et à la COP, vous savez qu'on a dit 1,5, mais on peut aller jusqu'à 2 degrés de réchauffement par rapport à la température moyenne planétaire. Et la température moyenne, comme vous le savez, c'est grosso modo 14-15 degrés. Et ce qui est ressorti l'année dernière, en 2022, c'est qu'en fait, les scientifiques ont dit « attention ». On s'est pas trompé, mais en tout cas, maintenant, on a creusé beaucoup plus loin et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne peut pas dépasser les 1,5 degrés. Et donc, ici, Johan Rockström a repris donc, cette étude d'un groupe de scientifiques séparés en disant les 2 degrés, c'est de la folie. Il faut vraiment qu'on reste à 1,5 degré. Regardez les données. Alors, les données, ici, vous voyez, c'est sur donc, 3 millions d'années. Que la recherche a utilisé les données sur 3 millions d'années. Le zéro que vous voyez, c'est la température qui est la température pré-ère industrielle, donc il y a à peu près 250 ans. Et vous voyez les fluctuations. Et quand on regarde ce graphe, on se rend compte effectivement qu'on a des fluctuations qui sont anormales et qui font peur aux scientifiques. Et ici, c'est une autre diapo qui est intéressante. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui a été décidé au niveau de l'ONU, des COP, etc., était basé sur les 2 degrés maximum. Il faut changer le curseur et rabaisser, donc accélérer les réglementations pour maintenir ces 1,5 degrés. On est apparemment aujourd'hui à plus ou moins 1,2 degrés de réchauffement, hein, 1,2, 1,3. Dans cette diapo-ci, qui est reprise également par Johan Rockström dans sa nouvelle approche ou dans son évolution de l'approche des limites planétaires, qui montre que la Terre, donc vous avez l'axe horizontal, et vous voyez qu'en bleu, vert et un autre bleu, vous avez ce que la Terre capte de CO2. Et on a toujours cru en se disant, tant qu'on avance, la Terre pourra continuer à capter le CO2, et on y va, on en dégage dans l'atmosphère. Or, un signal d'alarme est tiré aujourd'hui en disant c'est une Terre qui est saine, mais qui ne peut pas absorber à l'infini la pollution que l'on dégage.
Et donc, à un moment, ça va tout simplement craquer. Et on, donc, lui insiste très fort sur, sur cet aspect qui est « faites très attention, la Terre, à un moment, ne pourra plus tout simplement absorber notre, notre pollution ». Et au niveau des points qui évoluent, au niveau des tipping points, des points de risque, ils se sont rendus compte qu'on est de plus en plus près des points de non-retour. Alors je vais terminer rapidement pour la science, parce que sinon je ne pourrais pas voir le reste. Donc, au niveau de la partie scientifique, c'est absolument clair qu'il faut faire quelque chose et pas se dire c'est du rêve, etc. Ça ne va pas ou voilà, c'est pas de la réalité. On le voit tous les jours quand même que le climat est occupé à changer. On sait qu'on a perdu en 70 ans, donc 70 ans. 70% de la biodiversité, donc 70% de la biodiversité, etc. Donc on a réellement une planète qui évolue et donc on a un risque pour la stabilité tout simplement de la planète et de la survie de l'homme. Derrière ces limites planétaires, vous avez une personne, donc je vais vous donner des noms parce que je me rends compte que pour faire bouger les choses, il faut chaque fois un leader ou une leader. Donc Jan Rockström est vraiment une personne clé dans la communication et dans le travail de fond au niveau scientifique. Au niveau économique, vous avez une femme qui est Kate Raworth, qui elle est en fait donc économiste traditionnelle, elle a étudié l'économie de manière tout à fait traditionnelle et elle s'est rendue compte que ça ne collait pas avec sa pensée et elle a développé un concept économique qui s'appelle l'économie du donut. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est intéressant. Pourquoi ? Pour plein de choses. Un, elle s'est basée sur les limites planétaires de l'Institut de Stockholm et elle a réfléchi comment est-ce qu'on peut développer une économie qui soit bonne pour la planète et bonne pour l'être humain aussi. Et donc elle a eu cette idée de mettre en limite, donc limite économique, donc à l'intérieur du cercle, tout ce qui est bleu, c'est la partie qui est en fait intolérable pour l'être humain, c'est-à-dire d'un point de vue économique, c'est-à-dire la pauvreté, la mauvaise santé, etc., etc. Donc il y a un minimum où chacun devrait pouvoir bénéficier. Et à l'extérieur, elle a mis toutes les limites planétaires. Et donc la partie économie, comment est-ce qu'une économie peut se développer? L'économie se développe dans la partie du donut, la partie verte. Et c'est un concept qui est intéressant parce que on ne nie pas que l'homme a besoin d'un certain niveau de vie aujourd'hui. Et d'un autre côté, on ne nie pas que la planète doit fonctionner avec nous. Donc ça, c'est un concept qui est intéressant et qui, évidemment, ça fait penser à tout ce qui est économie circulaire, inévitablement. Mais c'est une autre façon de voir l'économie. Voilà pour la base de ce qui suit. Donc avec tout ça, en sachant qu'on a une planète qui a des difficultés, que nous la maltraitons, et en sachant qu'on a une solution économique, que fait-on au niveau de la construction du patrimoine et quelle stratégie est-ce qu'on adopte? Première chose, il faut absolument avoir une vision et une vision à long terme. Donc la vision que l'Union européenne, nous donne, c'est la vision d'avoir une économie décarbonée en 2050. Est-ce que ça, c'est le long terme? C'est un long terme administratif. Donc à chacun de choisir la cour dans laquelle il joue.
Mais c'est intéressant de penser plus loin aussi. Et il ne faut pas hésiter à avoir de l'ambition. On ne va pas avancer de manière lente et en petite promenade. Il faut vraiment avancer de manière ambitieuse et en osant des pas de géant plutôt que des toutes petites avancées. Donc, vers des performances dépassant largement la réglementation, en travaillant dans les certifications environnementales, oui, on travaille au-delà de la réglementation. La réglementation est très souvent beaucoup trop timide. Je ne parle pas du patrimoine, je ne suis pas du tout spécialiste du patrimoine, je répète, mais au niveau général de la construction, la réglementation est beaucoup trop timide. Et on oublie l'impact négatif qu'a la construction. Et je vous parlerai en fin de présentation de l'importance de penser à l'impact positif que peut avoir un bâtiment. Donc, les définitions, ça, très rapidement, je suis partie de là. Parce que très souvent, on sort le terme développement durable, on n'a pas la même définition, et ainsi de suite. Donc j'y vais très très vite. La stratégie, l'art d'élaborer un plan d'action coordonné. Et là, vous voyez que par exemple, au niveau de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le Green Deal, donc le pacte vert, qui est cette idée d'avoir une stratégie sur le long terme, et c'est une planification en fait sur le long terme, de l'approche durable de l'économie européenne. Le terme durable, si vous prenez le terme durable que l'on connaît, qui vient des Nations Unies, on vous parle de l'aspect intergénérationnel qu'on va voir après. Ici, quand je prends tout simplement la définition anglaise, on parle de la qualité d'être capable de continuer sur une certaine période de temps. Et quand on prend la définition française, caractère de ce qui est réalisé selon les critères du développement durable. Donc vous voyez, même à ce niveau-là, on a des définitions qui partent un petit peu dans tous les sens. Et quand on parle de durable en français et de sustainable en anglais, on est là également, quand on change de langue, on a des concepts qui sont différents, donc il faut chaque fois remettre les pendules à l'heure au niveau du vocabulaire. La définition que vous connaissez, qui est celle de Brundtland, qui est celle la plus connue, donc un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je vais insister sur cet aspect intergénérationnel, pour d'un point de vue économique aussi par après. Donc ça c'est le plus connu, enfin la plus connue au niveau des définitions, et le concept, enfin, la réflexion par rapport au développement durable. Si vous regardez les anciennes réglementations, vous allez retrouver ce concept-ci que vous connaissez probablement, qui est aujourd'hui, à mes yeux, vraiment à utiliser avec précaution, parce que l'idée est beaucoup plus d'aller vers, et on y est, réfléchir au potentiel que la Terre représente, et de là développer une économie qui a un sens et qui a une relation avec et des interactions avec la Terre, et ensuite veiller évidemment à la santé. Très souvent, le bâti, on oublie la santé, soit des personnes qui construisent, soit des personnes qui occupent le bâtiment. Donc, la santé et le nec plus ultra, évidemment, penser au confort et oser penser au confort. Et donc, c'est une idée beaucoup plus qui se rapporte, en fait. On avait, là, c'était un schéma qu'on avait déposé, il est libre maintenant, qu'on avait déposé il y a très longtemps, et pensant que ceci ne fonctionnait pas.
Donc faites très attention à aux définitions. Et là aussi, bâtiment durable, c'est une définition donc, qui date de 92-92, qui fait bien la distinction entre ce qu'est un bâtiment écologique et ce qu'est un bâtiment durable. Absolument essentiel à avoir à l'esprit pour savoir à nouveau dans quel cours on joue. La différence entre bâtiment écologique et durable vient essentiellement de l'aspect durable qui est l'aspect adaptabilité dans le temps et donc longévité du bâtiment qui vient en plus de tout le reste du bâtiment écologique. Pensez bâtiment, mais pensez aussi impact sur le quartier, etc. Et pensez à l'aspect économique et social, à l'efficacité et à la sécurité. Donc on est dans un concept qui va plus loin que l'éco-conception en tant que telle. Donc la durabilité est une question de système et de s'assurer que nous pensons à l'ensemble de la situation afin de pouvoir aborder un problème sous tous les angles. Ici, j'introduis via cette citation, j'introduis le mot système. Dans les premières diapos que j'ai montrées, si vous allez plus loin, vous allez regarder ce qui est caché derrière ces limites planétaires, vous allez voir que les scientifiques ont identifié 16 systèmes sur Terre. Et qu'ils ont clairement démontré que ces systèmes, donc par exemple l'Amazonie, les calottes glaciaires, etc., sont interconnectés. Quand un système ne va pas bien, l'autre ne va pas bien non plus. Et c'est intéressant de faire le pendant avec la construction en réfléchissant plutôt système que de manière séparée. Là, je vais passer donc l'évolution de la notion de patrimoine. La notion de patrimoine est aussi très culturelle, venant de Bruxelles, qui a été, comme vous le savez peut-être, à de nombreuses époques ravagée, détruite. On a parlé de bruxellisation au niveau de la construction. Des étudiants de l'étranger venaient voir la catastrophe qu'on avait en fait vraiment détruit un petit peu tout et n'importe quoi et des joyaux. Du patrimoine comme des bâtiments Horta qui ont été détruits. Voilà, donc je viens d'un autre univers que Arles, évidemment, et donc au niveau patrimoine, c'est une autre réflexion. Et l'idée de patrimoine est beaucoup plus large. Parce que maintenant, on veut maintenir, donc il y a la liste des bâtiments qui sont repris au patrimoine, c'est assez récent. Et on voit des bâtiments, bien sûr, d'époque récente, les années 70, 70, etc., qui y figurent. Pour comment s'y retrouver dans la réglementation, donc, c'est absolument, à mes yeux, une catastrophe d'un point de vue communication avec les acteurs du marché. S'y retrouver, c'est vraiment compliqué. Donc ici, j'ai essayé de simplifier. L'ONU a un rôle avec ses 17 objectifs que l'ONU a développés en 2015 au moment de la COP21. Les 17 objectifs du développement durable, ce sont des objectifs qui devraient se concrétiser d'ici 2030, avec évidemment des freins comme les guerres, la pandémie, etc. Donc il y a beaucoup de doutes à ce niveau-là, évidemment. Dans les 17 objectifs, vous avez l'objectif numéro 11, qui est l'objectif qui concerne l'urbanisation. Et vous avez d'autres objectifs qui concernent notamment la pauvreté, donc éradiquer la pauvreté, etc. Quand vous regardez des sites de grands constructeurs, des acteurs de la construction, vous allez retrouver les 17 objectifs parce qu'ils sont obligés de fonctionner, en tout cas pour survivre, pour que leur entreprise perdure, ils ont adopté les 17 objectifs. Au départ, ils avaient adopté les objectifs qui leur convenaient. On a un petit peu suivi et maintenant évidemment tout le monde sait qu'ils sont interconnectés, que soit on prend le menu, soit on prend pas, et maintenant vous allez retrouver l'ensemble des 17 objectifs dans leur rapport non financier.
Donc, à la base, on a les 17 objectifs, le paquet européen et ainsi de suite, et on a les lois nationales. Et très rapidement, pour donner quand même un petit peu de couleur positive à tout ça, en 72, donc en 72, il y a eu le rapport du Club de Rome où des scientifiques américains du MIT ont dit « faites attention, si on continue comme ça, on va droit dans le mur et avec une croissance surtout au niveau du nombre de personnes sur Terre ». Aujourd'hui, ils ont publié en 2022 un livre que je vous invite à lire. Je l'ai ici. Il a été traduit en français. C'est le guide de survie pour l'être humain où, en fait, les scientifiques ont fait des propositions pour des solutions positives pour faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction. Et c'est un document maintenant qui est utilisé par les gouvernements, mais voilà, c'est à voir si tout le monde va... Enfin, quand on voit ce qui se passe en Argentine, aux Pays-Bas, etc., on ne sait pas trop dans quelle direction on va, mais en tout cas, ce livre existe. Alors, aussi au niveau européen, dans la taxonomie verte, là, c'est un point qui est important, c'est à nouveau administratif, donc ça n'a plus rien à voir, ça n'a pas de lien direct en tout cas avec la science. D'un point de vue administratif, on a classifié les industries, les activités qui sont considérées comme vertes. Si vous allez regarder la liste, vous allez quand même vous poser parfois certaines questions, mais comme l'économie ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, on a cette fameuse transition. Donc les 17 objectifs, pour le monde de la construction, on parle du monde du secteur des 40-40-40, 40% de déchets produits dans le monde, 40% de la consommation totale d'énergie, et alors grosso modo la même chose au niveau des gaz à effet de serre. La partie globale au niveau européen, c'est le Green Deal avec différents points qui sont liés avec le bâtiment, comme par exemple l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la mobilité propre, etc. Mais ce n'est pas que le bâtiment. Donc, les ambitions, donc le mot ambition, j'en avais parlé très vite, en début de présentation. Quand on travaille dans les certifications ou quand on veut être visionnaire, on va se retrouver dans un monde qui est évidemment bien en avance par rapport à la réglementation, et on juge que c'est plus ou moins 10-15 ans d'avance quand on travaille sur des certifications telles que HQE. Dans ce changement de paradigme, donc dans un bâtiment HQE par exemple, et dans un concept qui épouse un système de management environnemental ou un système de management responsable, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une réflexion qui est circulaire et qui va épouser ce qu'on appelle la roue de Deming. Ça veut dire qu'on va réfléchir à améliorer en continu. Donc la fameuse amélioration continue qui vient de Toyota, de Kaizen en japonais, où on réfléchit, on pose un acte, on améliore en continu et on remet sur le métier son ouvrage en continu. Et très souvent, dans les étapes, par exemple, de performance énergétique des bâtiments, on connaît son bâtiment, on apprend à le connaître, on le maîtrise, on l'optimise, et l'étape suivante qui est remettre sur l'ouvrage, on l'oublie. Donc on fait 3 étapes au lieu d'en faire 4. Or, il faut chaque fois faire tourner la roue dans le bon sens, hein, aller vers le haut. Et est-ce qu'on est réellement prêt au durable ? Et là, je vais aller assez vite. Donc sur le poids des mots, quand on vous dit « je construis aujourd'hui pour détruire », bien sûr que ce n'est pas comme ça qu'on fait maintenant, on construit pour déconstruire. Donc on a un changement de vocabulaire.
Je vais montrer les listes qui sont les miennes. J'ai pas, voilà, ce sont mes idées, mais donc dans les mots clés, on a l'accélération, l'ambition, la transition. Et là, c'est plutôt administratif. De transition, il faut penser plutôt transformation que transition, parce que transition, ça veut dire qu'on est sur une direction qui est relativement claire, tandis que quand on pense transformation, on pense vraiment à changer. À changer les choses. Et donc, je sais que je dois aller plus vite. Donc, oui, au niveau des mots, par exemple, le mot recyclage, faites attention, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Il y a le downcycling et le upcycling, donc on sous-cycle ou on sur-cycle. Donc le sous-cyclage ou le sur-cyclage, c'est-à-dire que soit vous donnez une valeur supplémentaire aux produits, aux matériaux que vous recyclez pour lui donner une vie avec une nouvelle valeur, soit vous enlevez une partie de sa valeur. Et je donne un exemple qui n'est pas dans le bâtiment. Les vêtements, on a les bouteilles en plastique ont servi de polaire. Et quand on passe de bouteille en plastique à polaire, on fait du downcycling, parce qu'ensuite, comment est-ce qu'on recycle les polaires et ainsi de suite. Il faut chaque fois une nouvelle filière. Donc, la précision des mots est importante. Et donc, le vocabulaire de consommation à production. Donc, produire, par exemple, la production d'énergie sur le bâtiment plutôt que consommer de l'énergie au niveau du bâtiment, ça fait changer complètement la cour, en fait. De ne plus parler de déchets, mais de parler de ressources, comme le label Cradle to Cradle, donc C2C, qui vous permet, vous avez un bâtiment, je sais, j'ai vérifié à Lille, qui a, donc à la métropole de Lille, un bâtiment qui a été conçu sur base du label C2C, Cradle to Cradle, qui a une réflexion qui va très loin, l'économie circulaire, où le bâtiment est démontable. Et rien ne sera un déchet en fin de vie du bâtiment. Donc le bâtiment va pouvoir avoir une nouvelle vie, ou ses matériaux vont pouvoir avoir une nouvelle vie par après. Donc de linéaire à circulaire, de fossile. Il y a une personne qui m'a dit encore cette semaine, on est passé du gaz au propane, soit. Pour moi, ok, fort bien, on diminue son impact, mais donc cette entreprise n'est pas passée du gaz au renouvelable, alors que c'est vraiment un pas qu'il faut oser franchir très vite. Donc, du fossile au renouvelable, le durable, est-ce que durable, c'est suffisant? Je vous répondrai non. Il faut vraiment penser à l'impact positif du bâtiment, et donc d'avoir une approche qui est une approche régénérative et qui est une approche de communication et de dialogue avec la nature, plutôt que d'avoir cette habitude d'aller changer un univers et un écosystème en construisant ou en rénovant un bâtiment. Et alors, dans l'aspect financier, on parle de surcoût, c'est sans arrêt, donc on ne va pas penser durable, on ne va pas penser régénératif, parce qu'il y a un surcoût à la livraison ou au moment de la rénovation. Oui, mais le bâtiment doit vivre 50 ans, et c'est aussi un vocabulaire à changer, mais c'est très compliqué au niveau des financiers qui veulent avoir un retour sur investissement en 3 ou 5 ou 7 ans. Donc ça, c'est l'échelle de l'ANSIC. Très rapidement, c'est au niveau des déchets. Le déchet qui n'existe pas est évidemment le meilleur déchet. Et donc ça veut dire que dans le bâtiment, c'est la croix et la bannière aujourd'hui, mais essayer au maximum de réemployer les matériaux. On a chacun un rôle à jouer à ce niveau-là, et éviter les déchets. Et donc, dans la manière de travailler, ça veut dire qu'on va travailler en équipe, on va mettre tout le monde autour de la table. C'est ce que préconisent les certifications comme LEED. C'est pas toujours facile à implémenter. Donc, on fait fi des égos.
chacun se retrouve au même niveau, aussi bien le concierge qui a vécu dans le bâtiment pendant X années quand on est en rénovation, qui va vous apporter des informations fort précieuses, que le porteur de projet, le propriétaire, et ainsi de suite. On va travailler de manière donc itérative, en améliorant en continu et donc pas de manière séquentielle. On va avoir un chantier qui va être respectueux pour pouvoir un bâtiment qui soit également respectueux de son environnement. On va plus travailler en gardant ces informations pour soi. On va travailler en transparence, mais là, c'est quand même hyper compliqué. Et on va mettre en place une démarche de qualité, et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que je mentionne ceci? C'est simplement dans les certifications, on vous dit donc le bâtiment doit être donc l'idée c'est qu'il soit durable ou régénératif, etc. Et si vous voulez absolument arriver à un niveau de qualité, ce qu'il faut derrière, c'est qu'il faut absolument une gouvernance. Et on le voit sans arrêt. Si vous n'avez pas la gouvernance, s'il n'y a pas la volonté au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation, d'aller vers le mieux, vous pouvez tout faire au niveau du bâti. Sans la gouvernance, ça fonctionne mal. Vous avez certainement des exemples qui viennent en tête. Et je crois que je vais... Oui, d'accord. Et donc, rapidement, les différentes stratégies, donc je vais faire le résumé des autres diapos, les différentes stratégies, donc soit vous avez la stratégie du cradle to cradle qui est aller très très loin et penser démontage, assembler, démonter, évolutif, etc. Soit vous choisissez la cour d'une des certifications, donc HQE, faites attention, si vous êtes dans HQE, vous êtes dans la culture française, si vous êtes dans BRIN, vous êtes dans la culture britannique, et donc internationale, et si vous êtes dans LEED, vous êtes dans la culture américaine, et ça se sent très fort dans les process et dans la manière d'aborder un bâtiment. Et les stratégies d'approche sont données, sont donc vous guident. Enfin, les certifications vont vous guider dans leur stratégie à elles pour arriver au résultat souhaité du bâtiment. Je voulais. Donc voilà, je termine par cette diapo. Donc voilà un système de gouvernance qui est en fait sous-tend les certifications HQE. On met en place donc tout un système de management pour pouvoir arriver à construire ou à rénover pour avoir un bâtiment de qualité. C'est considéré vraiment comme essentiel, et pour nous c'est du vécu. Clairement, si vous n'avez pas la volonté de l'organisation d'aller dans la bonne direction, vous ferez face à plein de soucis dans les projets. Voilà. Moi, je te remercie infiniment, Pascal. Je pense que c'était vraiment essentiel de refaire ce bilan avec des données très, très précises et d'avoir cette vision globale. Voilà, ça, c'était pour moi important de bien poser les choses avant toute la journée. Il y a plein de choses dont nous sommes déjà intimement convaincus et dont on parle tous ensemble beaucoup. Mais voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Tout le schéma est là. Voilà, donc on peut se resservir de tout le travail qu'a fait Pascal aussi, de mise en forme de toutes ces idées, de toutes ces réflexions autour du process. Merci beaucoup pour ce partage, Pascal. Et on a pris un tout petit quart d'heure de retard, mais on a commencé en retard, donc c'est pas grave. Et puis de toute façon, c'était essentiel. Et j'appelle maintenant Frédéric Corset à venir nous présenter... ses actions. Merci, merci. Hop, comment ça marche du coup?
y en avait des slides encore. Hein. Tout ça, c'est toi, Pascal. Ah, c'est ça. Juste, je vais un petit peu changer ce que je vous ai, ce que j'avais préparé pour vous ce matin, parce que du coup, comme je n'avais pas l'intervention de Pascal, voilà, je vais un peu m'adapter. Merci Pascal pour cette intervention et cette introduction très riche. Je vais commencer comme toi, d'évoquer de là d'où je parle. Moi, je suis architecte urbaniste de formation. J'ai eu une agence d'architecture et d'urbanisme dans une autre vie, dans le nord de la France. J'ai fait une partie de mes études à Bruxelles aussi. Voilà. Et aujourd'hui, je suis le directeur d'une association qui s'appelle Envirobat BDM, qui est une association, un centre de ressources autour de l'écologie dans le bâtiment. Cette association, pour en dire deux mots, c'est une association voilà, qui a 20 ans aujourd'hui, qui a à destination des professionnels de tout type, et dont l'objectif, c'est de faire émerger en fait, des bâtiments durables, respectueux de l'humain, de la biodiversité, de l'environnement. Des professionnels au sens large, c'est-à-dire ce qu'on aime, c'est que ce soit un lieu, mais un peu comme aussi pas, un lieu divers avec divers acteurs, des acteurs de divers horizons. Nickel. Oui. Pas trop bouger. Merci. Ça marche dans la lumière. Oula, regarde, c'est nickel. Je ne vais pas bouger comme ça. Je vais arrêter de bouger. Donc des professionnels, à la fois aussi bien des maîtres d'œuvre, donc architectes, bureaux d'études, ingénieurs, structures, thermiciens, beaucoup d'assistants à maîtres d'ouvrage aussi, AMO, qualité environnementale, mais aussi un gros package on aime, autour de la maîtrise d'ouvrage. On a beaucoup de collectivités qui font partie de notre association et participent à nos événements et travaux. Donc beaucoup aussi de promoteurs aussi privés qui font partie, voilà, pas mal d'institutions aussi comme le Conseil de l'Ordre, le Synov, etc. Et puis on a aussi un package peut-être plus un peu faible chez nous, ce sont les entreprises de réalisation où on a des choses à aller chercher parce que c'est des gens qu'on a du mal à mobiliser. Et puis par contre on n'a pas les industriels, c'est-à-dire que les industriels ne font pas partie de, ne peuvent pas adhérer chez nous, non pas qu'on ne les aime pas, mais on porte une certification participative. Nous aussi, on ne souhaite pas que les industriels participent à la gouvernance de cette certification, donc on les implique d'une autre manière, en conventionnant, en ayant des partenariats avec chacun des industriels. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette association, avant que j'aille plus loin ? On est centre de ressources. Donc en fait, centre de ressources, ça veut dire qu'on fabrique de la ressource. Soit on va chercher de la ressource qui existe déjà, qu'on diffuse à nos professionnels, soit on fabrique nous-mêmes de la ressource à partir de nos retours d'expérience. J'ai un exemple dont j'ai parlé hier, comment on introduit du biosourcé avec les marchés publics, par exemple. Ou comment on travaille, ou des bonnes et mauvaises pratiques sur les chauffe-eau thermodynamiques, par exemple. Voilà, et ça c'est de la ressource pour nous. Et une autre ressource qui est importante pour nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un événement, ça fabrique de la ressource. On fait aussi ce genre d'événements, on a des colloques, des groupes de travail, des visites. À chaque fois, il y a de la production de connaissances qu'on diffuse à nos professionnels et on essaie de synthétiser ça avec des actes à chaque fois aussi. Voilà. Voilà un peu ce que... Et ce centre de ressources, nous, il est en ligne. Alors, je vous invite à aller tous regarder. Ça s'appelle EnviroBoîte. C'est accessible à tout le monde, hein, pas simplement aux adhérents. Il n'y a pas besoin de mot de passe ni de mail. On tape EnviroBoîte et on cherche dedans. Ça, c'est notre centre de ressources. On a un deuxième action, qui est notre centre de formation pour les professionnels. Donc, on est centre de formation... plutôt conventionnel, autour évidemment des questions d'écologie. Et ce pôle a une autre mission, c'est qu'il anime des réseaux d'acteurs, et des réseaux d'acteurs alors, qui sont divers. Un des réseaux d'acteurs notamment, vous connaissez un petit peu, c'est le réseau Fibratera, autour des matériaux biosourcés, dont l'objectif est de faire émerger des filières, mais il y a d'autres réseaux d'acteurs. Un réseau d'acteurs autour de l'aménagement durable, qui est la suite du club Écoquartier ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a un réseau autour de la réhabilitation durable, qui est plutôt un réseau nouveau chez nous. Et puis des réseaux aussi autour des industriels, des réseaux avec des économes de flux. Et puis un dernier pôle,
sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu plus parce que je n'avais pas prévu d'en parler, mais vu qu'on a parlé de certification, je trouve que c'est intéressant de compléter ce que disait Pascal. On a un pôle évaluation, accompagnement des projets, qui, parce qu'on est porteur d'une certification participative, qui fonctionne un petit peu différemment d'HQE, Priam ou Lead, qui sont très bien aussi, hein, c'est juste une autre manière de fonctionner. Cette certification, elle a plusieurs spécificités. La première, c'est qu'elle est très attachée au territoire. Elle s'appelle Bâtiment Durable Méditerranéen, donc, et pour sa petite sœur à l'échelle quartier durable méditerranéen, donc BDM et QDM. Et comme le nom l'indique, elle est forcément très attachée au territoire et à la Méditerranée, mais aussi aux Alpes, hein, parce qu'on a aussi un bâtiment durable montagnard. Et donc ça, c'est une spécificité très forte chez nous. Il y a 300 référentiels différents, rien que pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est très attaché à cet aspect territorial et contextualisé du référentiel, parce qu'on pense qu'on ne peut pas tout à fait évaluer de la même manière à Lille, à Marseille, à Brest ou à Strasbourg, ou à Bruxelles et à Shanghai. Voilà, je donne souvent quelques exemples que j'aime bien donner. C'est, bah, par exemple, ici, en PACA, on sera très attaché à la question de confort d'été, parce que bah, c'est forcément nos consommations d'énergie de demain, elles vont être là, ici, en tout cas, au moins dans le sud. Et alors que peut-être dans des zones montagneuses, on va être plus vigilant sur les questions de confort d'hiver et ces consommations-là, parce que c'est des consommations très impactantes. Je sais pas, un autre sujet, par exemple, sur les eaux pluviales. Moi, je travaillais dans les Ardennes. Quand on veut avoir une gestion alternative des eaux pluviales, ce n'est pas la même chose, parce que la pluie, elle est abondante, mais continue. Ici, quand on travaille avec des eaux pluviales, la pluie, elle est violente. Donc, elle arrive très, très brutalement. Il faut la stocker. Il y a des gros volumes qui arrivent. Ça ravine. Ce n'est pas du tout la même chose que de stocker de l'eau dans les Ardennes, là où je travaille. Donc voilà, ça, on est très attaché à cette question territoriale. Deuxième point auquel on est très, très attaché, qui est lié aussi au fait qu'on soit centre de ressources. Je n'ai pas dit, on est aussi financé par l'ADEME et la région, un peu par l'argent public. C'est l'aspect aussi, on labellise trois fois, une fois en conception, une fois en réalisation et une fois en phase d'usage. C'est très important pour nous, les labels qu'on donne en conception et réalisation sont provisoires. Et on est très attaché à ce qu'on labellise des bâtiments et la performance vécue du bâtiment, pas simplement le petit calcul RT ou la simulation thermique dynamique qu'on aura fait et bien faite, certes, souvent, mais qu'on soit attaché aussi à ce que le bâtiment puisse être en capacité de nous faire des retours de données, des retours d'expérience, puisse nous donner de la donnée sur les consommations d'énergie, consommation d'eau, sur les questions de confort thermique dans le bâtiment, et qu'on puisse aussi impliquer l'usager, qui puisse venir nous dire si le bâtiment était confortable, pas confortable, etc. Et ça, on y est très, très attaché, et d'autant plus qu'on est centre de ressources, donc je ne vous cache pas que c'est que ces données-là qui fabriquent aujourd'hui, qui sont la base de nos ressources qu'on fabrique pour diffuser aux professionnels. Et puis le dernier sujet très spécifique, c'est cet aspect participatif. Quand on fonctionne un peu différemment des autres certifications, dans le sens où, pour revenir à HQE, où moi j'étais par exemple expert éco-quartier, il y a un expert neutre qui va valider ou pas valider l'entrée ou pas dans la certification, le niveau, on a bien atteint le critère, on ne l'a pas bien atteint. Et c'est une manière de fonctionner. Moi, je suis expert éco-quartier, je fais ça en Occitanie, ça marche très bien. Et là, c'est une manière un peu différente. Il y a une auto-évaluation qui est validée par notre équipe interne, mais le niveau de performance, il est validé par les professionnels eux-mêmes en commission publique. Donc, c'est les professionnels qui échangent avec l'équipe projet et qui va valider, in fine, ou pas, le niveau de performance du bâtiment. C'est une vision un petit peu différente. Parce que ça, là encore, c'est très lié à notre position de centre de ressources, c'est qu'on est très attaché à ce que cette certification participative, elle puisse faire monter en compétence les acteurs. Ce débat entre les professionnels qui vont certifier et le professionnel qui est certifié crée du débat, et ce débat, il est vecteur de montée en compétence des acteurs, ceux du public, même ceux qui évaluent ou ceux qui sont évalués, et il fabrique aussi de la donnée, et ça, on y est très, très attaché. Et il peut aussi pousser les curseurs du projet.
Donc ça, voilà, voilà ce que je voulais. Du coup, je vais passer un peu plus vite sur quelques autres slides. Parce que ça, Pascal en a mieux parlé que moi, donc je vous passe très vite, comme ça on va rester sur le reste, ça ira plus vite. Je voulais, du coup, avec ce que je voulais venir avec vous ce matin, c'est que, du coup, ces travaux qu'on mène avec les certifications BDM et QDM nous amènent à avoir quelques idées, ou messages en tout cas, qu'on aime faire passer aux professionnels. Sur deux choses qui sont récurrentes, de bonnes et mauvaises pratiques qui sont récurrentes dans ce qu'on voit, nous, passer au fur et à mesure de l'évolution des projets. L'un des sujets qui, sur l'aspect réhabilitation, alors j'aborderai l'aspect réhabilitation dans son ensemble, pas simplement la réhabilitation patrimoniale auquel vous êtes attaché, mais tout type de réhabilitation, parce qu'on pense, on aborde le sujet de réhabilitation, nous, plutôt en termes environnemental. On pense qu'il faudrait réhabiliter beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui et démolir beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui. On a l'habitude de démolir des hangars. Moi, je dis, même un pauvre hangar, il faudrait aller vers sa réhabilitation le plus possible. Évidemment, tout ça avec des coûts raisonnables, si techniquement c'est possible, bien évidemment. Mais systématiquement, aujourd'hui, je trouve qu'on va trop vers la démolition. Et donc, on a plutôt cette vision de dire... on englobe la réhabilitation mais au sens large, y compris du hangar des zones périurbaines. Donc l'important, alors c'est notre vision à nous, mais d'avoir toujours une vision globale des sujets. Et ça, Pascal, pour le coup, je pourrais en remettre une couche, mais c'est très important d'avoir cette vision globale et qu'elle soit progressive. On s'appuie beaucoup en termes énergétiques sur la démarche négawatt, mais finalement, on l'a un peu généralisé à tous nos sujets. Avoir toujours une approche d'abord autour de la sobriété, et c'est vrai dans l'énergie, mais ça pourrait être vrai pour les matériaux aussi. Hein. Moins on emploie de matériaux, mieux c'est. Plus on réemploie ou on recycle, mieux c'est aussi. Donc avoir une approche de sobriété, une approche, deuxième fois, d'efficacité, c'est-à-dire aller vers l'efficacité des systèmes, vers l'efficacité de ce qu'on fait. Et simplement, quand on a fait ces deux premiers pas, aller seulement là, vers l'énergie renouvelable. Dans l'énergie, c'est très vrai, hein, si on ne traite pas les deux premiers points, on ne sera pas en capacité de couvrir tout le besoin avec des énergies renouvelables. Mais ça peut se généraliser à d'autres... voilà. Un autre... et là, je voulais vous donner quelques autres exemples qui nous semblaient intéressants. De réhabiliter aussi les bâtiments à faible valeur patrimoniale, ce que je disais il y a un instant. Là, je vous montre notamment l'exemple de l'école Montessori, qui était un hangar, vous voyez, en haut à droite. J'en aurais pas donné cher pour le garder. Et pourtant, finalement, avec ce bâtiment, initialement, on a fabriqué quelque chose de plutôt très intéressant. C'est un bâtiment qui a été isolé en bottes de paille, de la ouate en rampant, une chaudière bois, une CTA à double flux, de l'eau chaude solaire. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui fonctionne plutôt bien, qui a un bon bilan énergétique, vous le voyez en bas à gauche, qui est plutôt intéressant. Alors, il est un petit peu vieux, il a une petite dizaine d'années, donc aujourd'hui, on ferait peut-être plus tout à fait pareil. Mais en tout cas, pour un bâtiment qui a 10 ans, je trouve un bâtiment qui est très intéressant. Et c'était pour montrer qu'on pouvait faire aussi... partir d'un bâtiment qui n'est peut-être pas ce qu'on voit dans le centre-ville d'Arles, mais que tout bâtiment mérite peut-être d'être conservé. Une programmation en amont, une maîtrise de l'ouvrage. Là, j'aime bien raconter aussi cette histoire. C'est aussi dans l'idée d'une vision globale des sujets. C'est la cantine de Koudou. J'aime bien raconter l'histoire du projet, dans le sens où les élus sont venus en bas à droite avec une cantine, un bâtiment construit dans les années 80, je crois, début des années 80, pas forcément très, très élégant. Et en fait, leur problème, c'est qu'il y avait des fermettes en sapin, je crois. Enfin, en tout cas, c'était mangé par des petites bêtes, donc il fallait assez vite agir parce que la charpente, la couverture allait s'écrouler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils évacuent très très vite la cantine, ils mettent des bungalows de chantier, enfin voilà, des provisoires pour la cantine, et ils appellent une équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà, il faut qu'on répare le toit, il faut qu'on fasse la charpente et la couverture. Et du coup, ils ont à chaque fois élargi le sujet. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que ils sont partis de cette couverture en disant, on va faire la couverture, on va forcément la réisoler, la couverture,
Mais peut-être qu'on pourrait aussi traiter les autres sujets. Si on traite l'enveloppe de la charpente, peut-être qu'on peut aussi traiter les façades, traiter les menuiseries pour avoir une enveloppe un peu cohérente et un peu isolée. Ce premier sujet. Ils se sont dit aussi, bah, peut-être on pourrait aussi travailler un peu la lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous voyez sur l'image à droite, et encore c'était un jour ensoleillé. Peut-être qu'il y a un problème avec la lumière dans cette salle qui n'est pas très confortable. Peut-être qu'on peut apporter, en refaisant une charpente un peu différente, de la lumière en zénithale, sous réserve qu'on se protège du soleil. Donc ce qui a été fait aussi. Et puis après, ils se sont dit, peut-être cette cantine, elle ne serait peut-être pas toujours là parce qu'elle était assez éloignée de l'école. Donc peut-être qu'on peut travailler aussi en termes de confort d'été, de refuge climatique pour les personnes âgées, parce qu'il y a la maison de retraite, par contre, qui était juste à côté. Et puis après, ils se sont dit, les élèves, ils ne sont pas tout prêts, on a un problème, parce qu'on doit les faire venir de l'école primaire à la cantine, et il faut traverser une route départementale. Ce serait peut-être bien de tirer le projet avec des aménagements urbains, de la place, et qu'on puisse mettre en sécurité le parcours des élèves de l'école à la cantine. Et donc, tout ça amène à un projet qui, finalement, s'étend, et où on pose les problèmes de manière intéressante et où on élargit un peu le spectre. Alors évidemment, ça nécessite de la souplesse par rapport à la maîtrise d'ouvrage et peut-être aussi de la souplesse budgétaire, mais je trouve en tout cas que la vision, elle est intéressante. Et c'est ce qu'on aime, nous. Et puis là, à contrario, alors c'est un très beau projet qui est très intéressant du point de vue urbain, c'est le quartier Chalucet à Toulon. Mais je le donne, il est vraiment très intéressant, c'est Corinne Vezzoni, l'architecte, et aussi la planificatrice de ce projet urbain. Il y a la diversité fonctionnelle, en termes énergétiques, il est aussi assez performant sur les enveloppes. On a pu conserver aussi une partie des bâtiments, ce qui n'était pas une évidence. Mais là où je mets souvent l'accent sur ce projet, c'est sur son manque d'anticipation des sujets. Ici, on a un sujet de quartier, d'urbanisme, et on s'est posé la question énergétique de manière très tardive. C'est-à-dire, on a d'abord commencé par faire le projet. On avait un projet d'APS, APD, et on s'est dit, comment on va faire du chaud et du froid dans ce bâtiment ? C'est certainement pas au moment de l'APS et de l'APD qu'on se pose la question. Parce que l'échelle urbaine, on peut travailler avec des réseaux de chaleur, on aurait pu travailler avec de la géothermie, on aurait pu travailler avec de la thalassothermie, parce que la mer, elle est juste de l'autre côté du parc. Mais c'est certainement pas au moment de l'APS et de l'APD qu'on se pose ces questions. C'est bien avant la programmation. C'est qu'est-ce qu'on va faire comme réseau de chaud et de froid dans ce quartier. Parce que là, évidemment, la thalassothermie, la mer, c'est le port, c'est les militaires. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas en 6 mois qu'on va poser une étude et des sondes dans le port. Et la géothermie, en dessous, il y a le tunnel aussi qui traverse Toulon. Donc ce n'est pas non plus en 6 mois qu'on trouve la solution. Donc ça, c'est très important, l'anticipation des sujets. Et si on ne se les pose pas au bon moment, on a toutes les chances de... Alors, ça a fini avec des pompes à chaleur RO, je crois, si je me souviens bien. Un autre sujet aussi que j'aime bien, aussi sur la vision globale et de la gestion de projet que j'aime bien montrer, ça, c'est le Magnier dans la banlieue sud. Alors, j'espère que je vais pas regarder l'heure. dans la banlieue sud de Marseille, un lieu d'accueil des personnes âgées, donc lieu où on joue à la belote, où on joue, on jardine, voilà. Déjà un lieu où on n'a pas commencé par le projet, on a commencé par le jardin, donc ça me plaît beaucoup. Une ancienne bastide qui avait été un don à l'association pour accueillir les personnes âgées. Et dans le maître d'ouvrage est venu les voir en leur disant « Tiens, on aimerait réhabiliter, on aimerait accueillir les personnes, mais la bastide, elle est un peu fragmentée, il nous faudrait une extension pour avoir une belle salle un peu grande, mais on aimerait réhabiliter les rez-de-chaussée pour accueillir nos bureaux, etc. etc. » Et puis, bon, on n'a pas trop l'argent pour l'étage, donc on va le laisser, on ne va pas y toucher, on va juste faire l'enveloppe. Mais voilà. Et encore l'enveloppe, je ne sais même pas si c'était... Et en fait... La maîtrise d'ouvrage, le projet avançait, donc vous voyez un peu des images, et elle était de plus en plus séduite par ce projet qui est attentif aux questions bioclimatiques, attentif aux questions de confort d'été, aux questions du paysage, du jardin qu'il y avait autour. Une bastide, c'est aussi, alors même s'il n'y a plus la bastide, mais il y avait encore en tout cas un élément de contexte paysager qui était très important.
auxquels étaient attachés en plus les personnes âgées. Et du coup, la maîtrise de chez dit, c'est quand même bête de pas un peu être un peu souple et de pas aller vers au bout du projet et de pas réhabiliter l'étage. Et donc ils se sont dit, on va un peu, on a des bureaux, on a une autre association qui a des bureaux en ville, on va vendre ces bureaux et avec cet argent-là, on va les faire venir à l'étage et on va pouvoir réhabiliter l'ensemble du bâtiment. Voilà encore une autre manière d'avoir une vision globale qui me semble vraiment vraiment intéressante. Quelques éléments de performance de l'enveloppe, parce que quand on réhabilite, on voit quelques éléments qui sont parfois conflictuels entre conservation du bâtiment, parfois même conservation patrimoniale, et parfois des sujets énergétiques ou de confort d'été. Notamment la question de la performance de l'enveloppe, de l'atteinte des objectifs, est souvent pas si simple que ça. Il y a des choses qui sont faciles à faire, notamment les matériaux. Je vais vous montrer quel exemple, c'est assez facile dans le patrimoine d'avoir du renouvelable, etc. Encore qu'il y a des freins réglementaires. Mais les sujets de performance énergétique ou parfois de protection solaire sont des sujets qui nous sont récurrents quand on travaille la réhabilitation, qui sont plus difficiles à atteindre dans les sujets de réhabilitation, en tout cas patrimonial, que dans les sujets que dans les projets neufs. Enfin, quand on le fait bien. Et là, je voulais vous montrer juste un élément, un petit office du tourisme qui avait été les architectes, c'est Mathieu Guichard, qui ont été qui une ancienne forge qui accueille un office du tourisme. Et pour vous dire que, en fait, ils font plusieurs tests d'étanchéité à l'air, pas simplement à la fin du projet, en se disant j'avais visé quelque chose dans mes calculs et je l'atteins pas, mais on en fait plusieurs au long du projet, à minimum un autre au moment du clos couvert, mais parfois plusieurs. C'était le cas ici pour atteindre l'objectif. Et c'est effectivement peut-être au moment du clos couvert, on dit on n'atteint pas l'objectif d'étanchéité à l'air. Peut-être qu'il faut qu'on travaille les points singuliers qui vont pas. Et après on refait le test et on y arrive comme ça. Donc ça c'est important aussi. Là on a c'est très vite, ça c'est le que vous avez juste à côté, donc je passe très vite. Vous connaissez bien la maison du parc des Alpilles, qui est pour nous un bon exemple à la fois d'architecture contemporaine, mais aussi de conservation, mais aussi de mise en place de biosourcées, chaudières bois, etc. Je rentre pas en détail. Là peut-être un exemple auquel je voulais m'attacher quelques minutes, qui est un peu plus loin, qui est à Auch. C'est un bâtiment inscrit. Et c'est un bâtiment qui accueille des bureaux, et notamment le bureau d'études Adenda, qui est un ingénieur thermicien. Donc c'est peut-être un peu spécifique comme usage, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a fait ses propres bureaux. Donc là, il a réhabilité en plusieurs étapes. Il y a une chaufferie bois, il y a du PV, vous le verrez plus tard, il y a de la ventilation nocturne, etc., etc., de l'isolation. Alors c'est justement le sujet qui n'est pas partout. Il y a de la laine de bois en comble, de la laine de bois en allège, des planchers bas, il y a aussi des cloisons en terre. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, dans ce projet, je ne vais peut-être pas rentrer complètement dans les chiffres, mais... il n'a pas été isolé sur les parois verticales. Vous savez, l'association, j'ai pas mal d'ingénieurs, ils vont tous dire, oh là là, non mais là c'est de la connerie, il faut seulement isoler, voilà. Mais là, le bureau d'études dit, isoler, tous mes rez-de-chaussée, c'est des voûtes d'arêtes. Je ne sais pas comment j'isole. Si j'isole qu'un bout, j'ai isolé que la moitié de la paroi verticale. En plus, il y avait des grandes fenêtres. Enfin, j'isole vraiment pas grand-chose. Donc, ils avaient fait le choix de pas isoler. Ça ne les a pas empêchés d'être bâtiments énergie positive. Donc, alors, ils compensent un peu avec l'énergie renouvelable, mais ils ont quand même remplacé les menuiseries, évidemment. Ils ont quand même isolé le comble, isolé le plancher bas, parce que c'était possible. Mais ils avaient fait le choix de paroi verticale pas isolée. Et ce qui nous intéresse, c'est que, comme c'est un bureau d'études d'ingénieur thermique, il avait un peu envie de suivre ce qu'il avait fait, qui n'était pas tout à fait ordinaire. Donc, il a instrumenté toutes les parois. Plusieurs parois à plusieurs endroits, dans l'épaisseur tous les 10 cm, parce qu'il avait des murs de 60 ou 80, je ne me souviens plus trop. Et il a regardé quel était le comportement de la paroi thermique en hiver et en été. Et il s'aperçoit, là, je ne vais pas rentrer dans le détail des graphiques, mais que finalement, le comportement de la paroi est très loin des comportements qu'on peut simuler par les réglementations thermiques, par les simulations thermiques dynamiques. Et qu'on n'est pas du tout... Donc il faut être très vigilant là-dessus, le comportement d'une paroi, mais ça vous le savez peut-être déjà, ancienne, est très mal simulé par nos logiciels thermiques. Voilà. Alors,
Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas isoler partout. C'est très lié à un contexte. On est dans le sud, je ne dirais peut-être pas la même chose dans les Hautes-Alpes. Là, c'est un bâtiment qui est à Hoche. Il faut être vigilant. Et ce comportement thermique d'hiver, il est aussi, et le comportement thermique d'été n'est pas non plus correctement modulé non plus dans les simulations qu'on peut faire de STD. Donc c'est vrai pour l'hiver, mais c'est vrai aussi pour l'été. Celui-là, je vais passer vite, un autre bâtiment qui est mis du biosourcé de manière un peu forte. Ici, un bâtiment intéressant que peut-être vous connaissez, c'est 10 logements qui ont été réhabilités à Paris. Alors j'ai oublié le nom de la rue de la Huchette. Et là, c'est effectivement, ils ont fait le choix de mettre du béton de chambre. Nous, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, parce que c'est à la fois un biosourcé, mais à la fois, ça a aussi des vertus hygrométriques qui permettent de corriger et de passer laisser passer la vapeur dans la maçonnerie ancienne. Ça corrige aussi les transferts hygrométriques. Et donc, voilà, je vous donne juste quelques exemples de biosourcés qui me semblent intéressantes. Un autre, avec le même bureau, cabinet d'architecture, Dumont et Le Grand, à Bruneau aussi, 5 logements, je crois, avec 12 cm de béton de chambre. Je passe très vite aussi. Ça, c'est peut-être un exemple aussi intéressant dont on a un petit peu parlé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est qu'un autre point conflictuel qu'on a souvent, c'est de mettre du photovoltaïque sur les bâtiments dans les secteurs sauvegardés ou sur des bâtiments inscrits et classés. Ce n'est pas très simple, j'en conviens, ce n'est pas toujours très beau. Mais là, on a un exemple plutôt réussi. En fait, c'est la CCI du boulevard Carabassel à Nice, qui réussit avec un travail d'insertion important, notamment avec le bureau d'architecture Billy Goffard et le bureau d'ingénierie SLK, à travailler différentes manières et en fait d'insérer cette verrière. Et c'est, ils l'ont appelée verrière photovoltaïque parce que c'est un peu comme ça que ça a été vu, c'est-à-dire que ces photovoltaïques a été plutôt posée comme une verrière pour ressembler à une verrière vue du dessus et non pas avoir des petites choses fragmentées qui étaient peut-être moins intéressantes en termes esthétiques. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, c'est l'histoire du projet, parce que la CCI de Nice est l'un des lieux où on s'est posé le plus tôt la question du décret tertiaire, auquel ils sont astreints. Ils ont, bien avant la mise en place du décret tertiaire, mis en place des groupes de travail sur ces sujets-là pour impliquer leurs c'est pas des adhérents, mais enfin, leurs acteurs. Et du coup, ils étaient un peu avant l'heure. Et du coup, ils ont travaillé avec des scénarios dans le temps. Et là, ils ont commencé à travailler d'abord. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, ils avaient commencé à travailler un peu comme Negawatt, je vous ai présenté. Donc, on va travailler la sobriété, l'enveloppe, l'efficacité des systèmes, etc. Et ce qui est rigolo, c'est de raconter aussi que les opportunités financières ne sont pas toujours celles qu'on peut avoir dans l'ordre. Et donc là, ils ont commencé d'abord par l'efficacité, c'est-à-dire ils ont d'abord posé toutes les questions de comptage, parce qu'ils avaient un projet smart je ne sais plus quoi, donc de projets qui peuvent, de compteurs qui peuvent communiquer entre eux. Donc ils ont d'abord fait tout ce travail de comptage de ce qu'ils avaient, et du coup, grâce à ça, ils ont pu déjà avoir un premier sujet d'optimisation de leur consommation. Il faut que j'avance, c'est ça. Combien de temps il me reste? Ah, c'est fini. Bon, voilà. Bon, alors je passe très vite, quelques sujets, quelques autres images, comme ça, voilà. Ça, c'est pour dire qu'on pouvait mettre du PV. Ah si, ça, c'est important, quand même. Que l'usager, il est très... C'est, parce que les retours d'expérience, c'est bien aussi quand on montre les mauvais retours d'expérience. Ça, c'est un lycée qui avait été réhabilité. Et c'est pour dire qu'attention à la technique, parce que si on a de la technique dans les bâtiments, des gestions de techniques centralisées, etc., il faut derrière avoir des compétences. Si on n'a pas les compétences, c'est la catastrophe. Là, je donne un exemple, hein, c'est une salle de classe. En fait, elle est pilotée par une GTC. Donc la GTC dit, c'est au mois de janvier, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'allume les lumières. Et puis on va mettre du chauffage, parce qu'il fait froid au mois de janvier. Pas de chance, ce jour-là, on est dans le sud, hein, il y a pas mal de soleil. Donc il fait chaud. En plus, il y a 30 élèves là-dedans, donc 30 élèves, c'est comme 30 radiateurs. Donc il fait chaud. Donc il faut ouvrir la fenêtre, mais bon, la GTC elle a quand même mis en marche le chauffage, voilà. Puis on ferme les rideaux parce qu'il y a trop de lumière, mais bon, la lumière elle est quand même allumée parce que la GTC elle a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage au mois de janvier, donc on allume la lumière. Et voilà, donc c'est pour dire que voilà, si on met beaucoup de technique dans le bâtiment, attention, derrière il faut beaucoup de compétences.
Voilà, ça je vais passer très vite. Et quelques exemples de confort d'été. Un très beau projet pas très loin d'ici, à Septèmes-les-Vallons, où ils ont été très vigilants sur la question du réemploi, de maintien des combles non habités pour maintenir des zones tampons en été, de logements traversants qui ont été restitués, de poses de brasseurs d'air. Ici aussi, pour dire sur le confort d'été, un sujet important, c'est que parfois, on en est réduit à réduire la quantité de vitrage. On est aussi ici dans le sud, on n'est pas en Belgique, à Anvers, où les parois sont quasiment toutes vitrées. On est dans le sud, on se protège du soleil. Et parfois, quand on fait des bâtiments trop vitrés, on est contraint, quand on les réhabite, à réduire la quantité de vitrage. C'est le cas ici. Ne jamais oublier les brise-soleil, qui peuvent être de plein de manières différentes. Ça, c'est nos productions. Les questions des brasseurs d'air, de la ventilation nocturne, de la travailler sur le confort d'été avec la question de l'inertie, ça, c'est important. Donc, de l'ITE, mais pas n'importe comment. Mais l'inertie, ce n'est pas que de l'ITE, parce que ça peut faire des grosses catastrophes. Je n'ai pas montré d'image, mais voilà. Donc là, par exemple, je reviens sur le projet d'Auch, où l'inertie avait été renforcée en ajoutant des cloisons en terre. Voilà. Et puis que la question de confort d'été, ça se traite aussi avec le végétal. C'est un projet que j'aime beaucoup. C'est l'ancienne cour en fait, des affaires maritimes qui abrite l'agence de Tangran. Et croyez-moi, dans cette cour, il est fait très agréable en été. Et bon, ça, voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Et voilà, comme ça, je vais passer très vite. Merci beaucoup Frédéric. Je vais appeler maintenant la joyeuse bande d'architectes. Hein, je vais vous appeler comme ça. Que deux. Ah, bah c'est déjà bien. Hein. Donc on... Voilà. Donc c'est quand même, dans le fond, une joyeuse bande d'architectes. Ils sont pleins. Et ils viennent de Marseille, de l'École nationale supérieure d'architecture. Qui était basé à Lumini. Voilà, donc ils viennent de déménager. Et je vais leur laisser la parole et se présenter. Vous le ferez beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Donc déjà, merci pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Alors, nous sommes donc un groupe de travail de l'École d'architecture de Marseille. Alors moi, je suis Chiara Silvestri, je suis architecte. Christelle Marchiaro, malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et pareil, Jean-Michel Fradkin, il est monté à l'École d'architecture de Nantes, donc lui non plus, il ne pouvait pas être là. Et Gianluca Cadoni... Bon, je me présente rapidement, Gianluca Cadoni, je suis ingénieur de recherche à l'École d'architecture de Marseille et architecte de formation et docteur en architecture. Bon, je laisse démarrer Chiara. Donc là, en fait, aujourd'hui, on va vous présenter un travail qu'on réalise, qu'on mène avec nos étudiants, avec des étudiants donc, de master, dans un séminaire de master. C'est un travail qui est entre la recherche, la pédagogie, et aussi qui a aussi une visée professionnelle, comme vous allez voir à la fin. Alors, ce travail, donc, c'est Christelle Marchiaro qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a l'initiative de ce travail. Et toute sa réflexion, elle a démarré en fait par le constat dont on vient de rappeler les enjeux dans les deux présentations précédentes, et qui est qu'aujourd'hui, nous sommes face à des crises successives de plus en plus importantes, et que donc aussi, et en particulier dans l'architecture, les questions de la matière et de l'énergie sont des enjeux majeurs qu'on ne peut pas négliger et qu'on doit surtout approcher de manière différente. On l'a vu, on a parlé de vision systémique, de vision d'ensemble. Et donc, ce que nous proposons, en fait, c'est effectivement une approche centrée sur un travail de complexité, d'interdisciplinarité. Et nous proposons une vision donc, qui vise à dépasser aussi des concepts comme le territoire, le paysage, pour parler plutôt de biorégion, de milieu, et surtout dans cette approche de reliance qui veut dire donc, se lier, mais aussi relier l'ensemble de choses autour de nous. Dans l'objectif global, effectivement, de nous remettre un peu à côté, c'est-à-dire de ne
plus voir, de ne plus nous regarder comme si on était au centre de tout, mais simplement d'être une partie de quelque chose qui est bien plus grande et plus complexe que nous. Donc tout ça, qu'est-ce que ça engendre dans l'architecture et en particulier, qu'est-ce que ça implique dans les processus de projet ? Alors aujourd'hui, il y a une évolution dans le projet, dans les processus de projet du rapport à la matière. C'est-à-dire que Vitruve, si on remonte très loin, il concevait le projet comme quelque chose qui démarrait par la matière. Ensuite, il y a eu, à partir de la Renaissance et le développement de la perspective de plein de choses, une autre approche complètement différente au projet, que c'est celui qu'on vit encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le projet il est vu comme centré sur le dessin, donc quelque chose d'un peu abstrait qui vient être posé sur une matière qui serait un peu inerte. Aujourd'hui, enfin, on est en train de dépasser un peu cette vision du projet comme centré sur le dessin et sur des idées qui s'imposent sur la matière pour revenir vers des conceptions du projet qui sont basées sur la reliance, sur les liens entre la matière et les concepteurs et donc sur une redécouverte de l'importance de la matière et donc plus en général des ressources, donc matière et climat, et avec ça évidemment aussi des savoir-faire qui vont avec, parce que quand on parle de travailler la matière, d'avoir un échange, un dialogue avec la matière, forcément, il y a des savoir-faire, des outils qui vont avec. Donc, voilà, donc l'idée, c'est de repartir de nos ressources, que ce soit la matière ou l'énergie, les savoir-faire, et dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour aider les architectes à travailler de cette façon. Donc, on s'est dit, on a eu envie d'inventorier les ressources qui sont autour de nous, évidemment en partant d'inventaires qui existent déjà, donc notamment l'inventaire des ressources locales du groupe Lorraine de la Frugalité Heureuse, qui est très intéressant, très bien fait, l'inventaire national de la Frugalité Heureuse. D'autres répertoires qui sont par contre plutôt un peu comme ce qu'on vient de voir, des outils de géolocalisation de professionnels, donc presque des annuaires, très riches, très intéressants. On a après des inventaires de différents producteurs de matériaux ou des annuaires par filière, dont notamment par exemple celui du fibois. À côté de ça, on a aussi des guides, souvent ils sont associés à des guides de bonnes pratiques. Et tout ça, on s'est dit, comment à partir de ça, on peut développer quelque chose qui repart plutôt sur des potentiels. Et donc, on a décidé de développer un travail qui est basé sur la cartographie, qui sera après, par la suite, mis en ligne. C'est-à-dire, toutes les données qu'on va récolter, ils vont rentrer dans un site web. Et donc, on s'est dit, alors, comment on va inventorier tout ça ? Les ressources qu'on va inventorier, donc, ce sont le climat, les énergies naturelles, dont le climat, les matériaux biogéosourcés, mais surtout les savoir-faire et donc les dispositifs climatiques, bioclimatiques et constructifs qui vont avec, et tout ça à travers un regard sur l'architecture vernaculaire qui nous intéresse principalement parce que ça représente une manière de construire déjà qui est pré-industrielle et qui est très liée aux ressources disponibles à proximité. Et ça ne veut pas dire qu'on voudrait revenir 100% à l'architecture vernaculaire, évidemment, ce n'est pas possible, les temps changent, on change, donc on ne peut pas reproduire quelque chose, mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qu'il y avait derrière. Donc pour ça, tout le travail sur l'architecture vernaculaire, il est basé sur le corpus de l'EAR, l'enquête sur l'architecture rurale, le chantier 1425, qui a été commencé par Jean Cusinier dans le cadre du Musée des arts et traditions populaires dans les années 40, repris après dans les années 60 et qui a donné origine à des publications par, évidemment, c'est un travail sur toute la France, nous concentrons sur la partie Provence et nous avons évidemment mobilisé d'autres textes et d'autres connaissances sur les techniques constructives, en particulier dans la région sud. Mais du coup,
Comment on va inventorier? Alors, tout d'abord, on a décidé de définir notre territoire de jeu à travers, non pas par ses limites administratives, mais en croisant, en définissant une biorégion issue des croisements de différents facteurs. Ensuite, nous travaillons, et ça c'est la première chose importante, nous ne faisons pas de la géolocalisation, mais nous faisons des cartographies, donc des cartographies dynamiques et à différentes échelles. Donc on a 3 profondeurs de regard, donc ça c'est un exemple de cartographie de matériaux. Donc on a dit tout à l'heure, on cartographie les matériaux, les énergies, les savoir-faire et les architectures. Ça c'est la carte des matériaux, et on voit qu'à chaque profondeur de regard, on a en fait, à chaque fois qu'on zoome, on a des données différentes qui apparaissent et qui peuvent être croisées à terme entre elles. Bon, après, à côté de ça, on a des fiches matériaux, des fiches producteurs, mais c'est pas ça qui est important. Donc, à côté de tout ce travail de cartographie, on fait aussi un travail sur l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on expérimente la transformation des matières en dispositifs constructifs. Ce qui nous intéresse, c'est les processus de transformation de la matière en matériaux à travers la matérialisation en matérialité, dispositifs constructifs et évidemment recyclage. Donc, nous travaillons donc avec des maquettes. Bon, il y a un côté, une partie de redessin, mais qui n'est pas très importante. Nous avons des maquettes à différentes échelles et surtout, arriver à l'échelle du détail, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous nous intéressons au savoir-faire qui permet de passer de la ressource au dispositif constructif. Et nous analysons ces processus à travers des chaînes opératoires. C'est-à-dire que nous identifions à travers du texte, des photos et des dessins, des chaînes opératoires. Là, vous avez par exemple la chaîne opératoire de transformation du roseau jusqu'au module. La première étape, c'est la transformation matière-matériau, donc le matériau qui est caractérisé par des modules. Et dans les matériaux traditionnels, souvent, ces modules, ils nous intéressent parce que déjà, c'est la base pour après construire les dispositifs constructifs, mais surtout, c'est des modules qui sont liés à des savoir-faire, à une corporalité, à des dimensions liées au corps humain, en fait. Et donc, ça nous permet de sortir de l'idée de la standardisation industrielle qui a amené, qui ne nous intéresse pas et et qu'on souhaite dépasser. Ensuite, donc, il y a le passage du module au dispositif constructif, donc c'est une deuxième chaîne opératoire. Et tout ça, en fait, tous les verbes actions qui sont identifiés dans les chaînes opératoires, ils sont après abstractisés, en fait, ils sont extraits et classé dans ce qu'on appelait une assemblothèque. Une assemblothèque qui vise donc à proposer des mots, des verbes pour la transformation et pour l'extraction qui puissent permettre aux architectes, en fait, à travers un passage d'abstractisation, de s'en saisir pour faire du projet. C'est-à-dire que nous n'allons pas donner des recettes, des guides de bonnes pratiques en disant telle matière, vous pouvez l'utiliser de telle ou telle façon. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ces matières elles peuvent être transformées et à travers ces verbes, d'ouvrir l'imaginaire des concepteurs. Donc on a des assemblothèques par bâtiment et des assemblothèques qui regroupent l'ensemble des bâtiments et donc qui listent tous les verbes actions. Bref, c'est possible d'explorer cette assemblothèque de manière différente. Et de la même façon, nous cartographions le climat et nous analysons les dispositifs bioclimatiques. Et là, je laisse la parole à Jean. Oui, pour revenir à ce qu'il disait Chiara, en fait, c'est ce qu'on cartographie, c'est des potentiels. Dès le début, on s'attelle à cartographier des potentiels, donc on essaye de donner une vision de ce qui pourrait être fait, de ce qui pourrait être fait. Là, on a vu 3 profondeurs de regard de la cartographie, par exemple, de la matière. On est en train de développer le 4e point de vue, c'est les matériaux, c'est-à-dire quel est le potentiel matière. Donc, on a vu les champs de riz, par exemple. En Camargue, on pourrait s'atteler, on est en train de s'atteler à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les riz. L'idée est de donner aux concepteurs ou
au grand public, entre guillemets, un outil qui leur permette de voir qu'est-ce qu'il y a autour d'eux et quel est le potentiel qu'il y a autour d'eux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a à côté, sans aller chercher notre catalogue de matériaux qui était le classique des architectes, qui était mon classique quand j'étais architecte en libéral. Pour ce qui concerne les climats, on a essayé de cartographier les climats à partir des données qui sont fournies par le ministère de l'écologie, les données de l'ADRIAS. On a essayé de les cartographier sur le territoire, ça c'est Arles. Un premier point de vue a été fait, donc cartographier les climats en tant que tel, en tant qu'État, donc les températures, la température moyenne par exemple dans la région. Mais qui ne donne pas forcément un potentiel, surtout pas un architecte qui n'est pas forcément un expert climatique, peut-être un peu plus un bureau d'études, et encore. L'idée étant cette première partie a été créée pour découper un petit peu notre territoire en biorégions, donc définir un peu quelles sont les différentes biorégions du territoire. Ces données-là, on les a historiques à partir de 1950 et en projection 2100. En projection 2100, donc là, on a vu la température moyenne en 2020, 2020 dans une année type, donc dans les 20 et autour, etc. Température moyenne qu'on peut voir en 2100, bien sûr, la température moyenne augmente, sachant qu'on a utilisé un RCP plutôt optimiste, parce que l'RCP, c'est les projections du GIEC sur la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Les 4,5, c'est très optimiste, à notre avis. Donc, on est déjà très optimiste avec ce changement d'échelle des températures moyennes. La même chose, on pourrait faire avec le nombre de jours où la température dépasse les 32 degrés, ce qui est, donc ça, c'est une vision à 2020. 32 degrés, ça veut dire déjà qu'on est largement un seuil d'inconfort en été. On peut voir que le nombre de jours dépasse des 32 degrés, de double à seuil de 1100 sur une prévision optimiste. Cela ne nous donne pas encore tout de même un outil de conception architecturale. Ça nous éveille sur des risques de surchauffe et ainsi de suite. Les DGU, ça nous éveille un petit peu plus parce que c'est un outil, c'est un instrument qui parle un peu plus aux bureaux d'études, aux chauffagistes, quelques archis aussi, sur les rigidités des hivers, par exemple. Arles en 2020 et Arles en 2100, on voit que le seuil des DGU descend drastiquement. Donc les hivers seront beaucoup moins rigides, on chauffera moins, ça c'est pas mal, mais il y a une perte. Cela dit, ce n'est pas encore des outils qui nous permettent d'évaluer des potentiels bioclimatiques de nos bâtiments, de nos futurs bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire un potentiel bioclimatique ? Ben, un potentiel bioclimatique, une stratégie architecturale, une stratégie bioclimatique, se base bien sûr sur les milieux, sur les besoins. Les premières questions, d'ailleurs la première économie d'énergie, c'est sur les besoins. Hein. Plus on est frugal, tout bureau d'études est parfaitement conscient que la première seuil, le premier gain possible en réduction d'économie d'énergie, ben, c'est les besoins des usagers. Si on veut garder un bâtiment 23 été-hiver, nos dépenses énergétiques seront bien plus élevées que si on s'adapte à 18-26 pendant l'année. L'autre question, bien sûr, c'est le climat et la stratégie architecturale, la stratégie pour un concepteur est bien sûr en liaison, en reliance. On parlait tout à l'heure des reliances, en reliance entre tous ces milieux. Mais comment mettre en contact l'usager final avec son milieu, son climat, son architecture ? Ben évidemment, on peut réfléchir comme on faisait en architecture vernaculaire. C'est-à-dire chauffer coûtait de l'énergie, chauffer coûtait du travail, parce qu'on devait aller couper les bois, le ramener, allumer les bois, et ainsi de suite. Du coup, pour économiser des énergies, éventuellement, les soirs, dès le coucher du soleil, on fermait nos portillons en Provence et on réduisait la déperdition thermique de nos fenêtres drastiquement, d'ailleurs, parce qu'on n'avait plus l'effet des parois froides. Et d'un coup, notre usager, il avait besoin de chauffer moins. La température de confort était autour de 11-14 degrés, d'accord, mais c'est parce qu'on se couvrait un peu plus. Ou alors, on faisait des travaux manuels, effectivement, devant l'ordinateur, 11-14 degrés.
ça caillote un peu, mais on peut quand même réfléchir à des températures de confort et on met un double laine, on met un pull supplémentaire en hiver au lieu de continuer à avoir un code vestimentaire qui est imposé par un code social et ainsi de suite. Mais non seulement la reliance avec notre milieu est donnée aussi par les choix architecturaux. Les besoins en confort ne sont pas les mêmes si on n'a pas accès aux dispositifs de ventilation et d'ouverture vers les climats extérieurs. Tout bêtement, si on ne peut pas accéder aux fenêtres. Malgré cela, on le sait, c'est une des seuils de confort. L'adaptative comfort, c'est une des premiers seuils de gains possibles sur le seuil de confort de l'être humain, parce que bien sûr, le confort est social, mais aussi psychologique, et ainsi de suite. Il y a plein de facteurs qui interviennent. Donc, le concept de l'adaptative comfort, ça veut dire de mettre en contact la personne avec le climat extérieur, et automatiquement, la personne, elle arrivera à mieux gérer sa liaison avec les climats, éventuellement se couvrir plus ou pas, ouvrir la fenêtre ou pas quand c'est nécessaire. Donc ça veut dire, de manière très simple, réduire par l'architecture, par la conception architecturale, les besoins même de l'usager. Pour arriver à ça, par contre, on continue à construire des tours où l'ouverture des fenêtres n'est pas permise, on continue à construire des bâtiments où l'accès au confort est géré par une centrale thermique ou une centrale... On a vu l'exemple tout à l'heure, par une centrale automatique, sans donner la possibilité à l'usager d'intervenir. Déjà ça, c'est une première chose que nous, on voudrait éliminer complètement. Et à partir de là, le diagramme de l'air humide, je suis désolé, c'est un peu... c'est pas très friendly à comprendre, mais ça nous permet, par exemple... dans un climat donné, tous les petits points que vous voyez, c'est des heures, des relevés des températures, humidité à une heure déterminée. Et la partie en jaune, c'est théoriquement la zone de confort des personnes. J'ai encore 10 minutes, selon ma montre. Donc. Et les autres trapèzes, ou en tout cas les autres surfaces, sont les potentiels d'augmentation des conforts à travers une stratégie architecturale. Je ne sais pas si je me suis expliqué, mais c'est en fait tous les points qu'on récupère en plus à l'intérieur des zones supplémentaires sont des points qu'on gagne en confort sans intervention d'une source d'énergie. Donc, sans devoir climatiser ou chauffer éventuellement. Donc, les apports solaires en hiver, bien entendu, la ventilation, la stratégie de ventilation nocturne, inertie thermique, et éventuellement l'adiabatique, qu'on a moins développé sur nos régions parce que c'est moins efficace. Et à travers ça, à travers les données climatiques de la DRIAS, on arrive à créer des indicateurs limites. Donc, pour chaque point, entre guillemets, qui la DRIAS nous fournit climatique, on arrive à établir le nombre de jours où nos indicateurs critiques, nos indicateurs climatiques rentrent à l'intérieur de nos stratégies, donc de notre éventuellement inertie thermique ou inertie thermique plus ventilation nocturne ou de la ventilation naturelle, et ainsi de suite. Attention, quand on parle de ventilation nocturne, c'est une stratégie bioclimatique classique dans les milieux de la France du Sud, de la Provence, et ainsi de suite. Mais il n'est pas facile du tout à mettre en place, surtout sur des bâtiments publics, surtout dans des milieux même isolés, même dans la maison individuelle, c'est compliqué parce que l'usager n'a pas toujours envie de garder ses fenêtres grandes ouvertes la nuit parce qu'il a peur, les animaux, l'intrusion, machin, etc. Donc, c'est des stratégies qu'il faut réfléchir du point de vue architectural dès le début du projet. Et ils doivent être mis en place, et c'est un effort de les mettre en place. Par contre, c'est efficace. Là, on voit que, ça, j'ai pris la vallée du Rhône, la Camargue. On voit que dans la vallée du Rhône, c'est moins efficace à cause du Mistral, malheureusement, parce qu'au-delà d'un certain seuil de vitesse de vent, la ventilation nocturne n'est plus efficace. Pourquoi ? Tout bêtement, parce que les fenêtres, elles claquent. Et l'usager qui s'est fait réveiller 3 fois par une fenêtre qui claque, la 4e, elle ferme les fenêtres, la ventilation nocturne est coupée,
et c'est fini. Donc là aussi, ça demande éventuellement, pour le permettre, un effort de conception architecturale supplémentaire. De la même manière, par contre, dans le reste de la Provence, elle est beaucoup plus efficace. Évidemment, à horizon 2100, on a une perte d'efficacité importante, surtout sur la vallée du Rhône, toujours parce qu'il y a un mélange entre température élevée et vitesse de l'air trop importante pour faire de la ventilation nocturne. Sachant que ces problèmes pourraient être résolus en partie par la conception architecturale. Si on s'éloigne un petit peu, en 2020, on peut le faire pour toute la Provence, bien sûr, on a les données, en 2020, la ventilation nocturne et l'inertie thermique est assez efficace, et on remarque une augmentation d'efficacité presque dans les zones un peu plus fraîches du Luberon, et ainsi de suite, à horizon 2100, grâce justement à un mélange entre l'augmentation des températures et l'augmentation de la seuil d'acceptation par rapport à la seuil du climat, parce que toutes ces données-là sont issues de la conception, d'une adaptation de ces stratégies au confort adaptatif, c'est-à-dire on s'adapte relativement à une température extérieure en découvrant, par exemple, en enlevant la veste, ou déjà en réduisant donc notre clôture, mais aussi en s'adaptant physiquement, psychologiquement au climat extérieur. Donc on pourrait être en confort à 28 ou 29 si l'inertie de nos murs est chargée suffisamment pendant la nuit, elle a été surtout déchargée suffisamment pendant la nuit, et les murs sont suffisamment frais, donc notre température opérative peut être relativement plus faible. La même chose, on peut le faire pour la ventilation naturelle, on voit de suite qu'elle est moins efficace, parce qu'au-delà d'une certaine température, la ventilation naturelle ne marche plus, parce que c'est comme être devant un sèche-cheveux, donc ça ne sert à rien, et à horizon 2100, bien entendu, c'est une stratégie qui est faiblement efficace, mais c'est quand même, déjà ça, si on arrivait à avoir des bâtiments suffisamment ventilés qui réduisent de 50% les besoins en climatisation, ça serait déjà pas mal. Donc on passe déjà de 0 à 50%. Donc c'est le seuil d'efficacité de la stratégie. Dans une vision à plus grande échelle, bien sûr, c'est un peu dans les mêmes résultats, dans les mêmes seuils. Donc ça, c'était l'idée de créer donc ces sites Internet dont on vient de parler, où toutes ces données apparaîtront et seront des données d'aide à la décision. Évidemment, ça ne substitue en aucun cas l'étude du microclimat du site où on va construire, où on va, si possible, pas construire mais réhabiliter, mais alors quand nécessaire, construire, parce qu'on peut tourner autour autant qu'on veut. Tout acte de construction est un acte prédatoire. On peut le voir autant qu'on veut, on peut la faire aussi vertueuse qu'on veut. La construction en soi, c'est un acte où on prend. Après, on peut le faire moins bien ou mieux, mais bon, c'est quand même toujours moins on construit, mieux c'est. Pour tout ça est filtré, bien entendu, par cette questionnement sur l'architecture vernaculaire comme un potentiel imagé de ce qu'on pourrait, comment l'expliquer, de ce qu'il a été mis en place. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui on va faire la même chose. C'est toujours dans les potentiels. Il a été fait ça. C'est un exemple de mise en place d'une architecture des sols avec ce qu'on avait à côté. Et à partir de là, on a essayé de décortiquer les classiques questions des choix bioclimatiques, capter, stocker, évacuer la chaleur annexée, ainsi de suite, filtrer à travers la position dans laquelle ces stratégies sont mises en place, donc sur les périmètres extérieurs, donc au-delà de l'habitation, sur les enveloppes ou à l'intérieur, à travers les systèmes de chauffage, par exemple. Et tout ça a été décortiqué la question de l'architecture vernaculaire, toujours non pas comme une... On est là pour louer l'architecture vernaculaire, on est là pour l'utiliser comme un exemple de ce qu'il a été fait. Et donc, un exemple de mise en œuvre, donc la cabane des gardiens, qui ont décortiqué sur la question du vent, sur sa forme adaptée au Mistral, sur ses dispositifs d'accroche, par exemple, sur son architecture à faible inertie. On a vu que l'inertie thermique était moins efficace
dans la vallée du Rhône parce que à cause des vents très forts et ainsi de suite, donc, et des humidités très élevées en Camargue et ainsi de suite. Et tout ça est décortiqué, réanalysé, et avec le travail des étudiants, que d'ailleurs on remercie, qui nous aident à mettre en place, par exemple, les champs opératoires, les maquettes, et ainsi de suite. L'idée étant, donc, de constituer une vision holistique, vision systémique, globale, du territoire, donnant des outils d'aide à la décision, et... donc les étudiants qui ont participé au travail, et de donner un outil d'aide à la décision qui permette effectivement les plus possible de se rapprocher d'une architecture la moins prédatrice possible, on peut dire. Et dans tout ça, bien sûr, la question qu'on se pose aujourd'hui, on est là aussi pour vous poser des questions, c'est que vous serez, une bonne partie d'entre vous seront... les utilisateurs de notre petit outil, et donc on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on devrait rajouter, qu'est-ce qu'on devrait pas, sur quoi on devrait travailler pour améliorer notre outil. Merci infiniment pour toute votre belle énergie et tout ce travail. Et ça fait une belle transition, cette petite question, elle est parfaite. Parce que justement, on va commencer à apporter un petit élément en plus, là, pour votre cartographie de matériaux, enfin, peut-être des usages, des techniques, voilà, savoir-faire, plutôt savoir-faire. Là, on va être dans le savoir-faire. Donc, j'ai invité Nigel Copsey. Bonjour. Qui est assisté par Emma. Et Rachid, pour la traduction, parce que Nigel ne parle pas très bien français, et il va faire sa communication en anglais. Et Emma et Rachid vont vous aider à tout bien comprendre. On va un peu morceler le discours de Nigel à cause de ça, pour faire des pauses et permettre la traduction. Donc, c'est un exercice qu'on a fait pendant 3 jours précédemment au CIPA. Car autour du CIPA, deux formations sont organisées autour du sujet que Nigel va aborder aujourd'hui, qui est on l'appelle le hot mix. Donc en fait, c'est la manière d'utiliser la chaux. Et on va commencer par une petite écoute. Je ne sais pas si c'est bien calé tout ça. Margot. Est-ce que Margot est par là? Elle a dû sortir. Didier, il n'est pas là non plus. Aloïs, là-haut? Ah, c'est bon pour la petite écoute? Pousse, elle a dit pousse. Donc on peut lancer. Alors on va juste mettre la page. Voilà, on va afficher cette page-là pendant cette petite écoute qu'on vous propose aujourd'hui, qui est une émission en fait, qui est passée sur France Inter. Dans un petit format qui s'appelle Les Saventuriers et qui parle très simplement du hot mix pour le grand public. Et ça, on s'est dit que c'était assez rigolo de commencer comme ça pour tout le monde comprenne avec des mots très simples sans aller tout de suite dans le fond du sujet, même si Nigel va poser les bases aussi. Mais c'est bien d'entendre plusieurs fois parce que c'est quelque chose qu'on pense connaître. Et là, on va aller un peu plus loin. Voilà. Donc on peut y aller, Aloïs, s'il te plaît. France Inter. Les sciences à présent. Bonjour Daniel Fievet. Bonjour Eric et bonjour Karine. Bonjour Daniel. On commence avec des chercheurs qui ont découvert le secret de la longévité du béton utilisé par les Romains dans l'Antiquité. Ah bon ? Eh oui, le Panthéon de Rome est un bel exemple de l'exceptionnelle résistance de ce béton antique. L'édifice est coiffé du plus grand dôme en béton non armé du monde. Il a été construit au début du 2e siècle de notre ère et il est toujours en place. Pour percer le secret de cette incroyable longévité, des chercheurs américains ont ausculté des échantillons de béton antique. Ils ont été intrigués par des petits grains blancs à l'intérieur. L'analyse de leur composition a révélé que de la chaux vive avait été incorporée dans le béton au moment de sa fabrication. Jusqu'à présent, on pensait que les Romains mettaient de la chaux éteinte dans leur mélange. Et quelle est la différence entre les deux alors? Pour obtenir de la chaux, il faut chauffer à très haute température des morceaux de calcaire. Mmh. Ce qui sort du four, c'est de la chaux vive, une substance très réactive à l'eau.
Pour obtenir de la chaux éteinte, il faut mélanger la chaux vive avec de l'eau, puis la faire sécher. En faisant le choix d'incorporer directement de la chaux vive dans leur béton, les Romains ont conféré à leurs matériaux de construction une propriété exceptionnelle. Lorsque le béton se fissure avec le temps et que de l'eau de pluie s'y infiltre, celle-ci rencontre les petits grains de chaux vive. La réaction chimique qui se produit alors génère une substance qui se répand dans la fissure et finit par la colmater en durcissant. Autrement dit, avec ce procédé, le béton s'auto-répare, il cicatrise en quelque sorte. C'est ce qui a permis aux édifices romains de traverser les âges. Selon les scientifiques, le secret de fabrication de ce béton antique pourrait inspirer la mise au point de matériaux plus durables et plus écologiques pour construire nos bâtiments modernes. 3, 2, 1, and okay. OK, hello, bonjour. And I have to say, the material science, the buildings themselves, the historic texts, the building accounts, descriptions of work being done, not only the Romans hot mixed the vast majority of their mortars, every building culture since we first started using lime until about 100 years ago, most of their mortars were hot mixed from quicklime. I have to make that point. Okay. Bon, alors je vais alors je suis pas un interprète professionnel, donc je vais vous excuserez mes approximations. Je vais simplifier rapidement, mais en gros ce que j'ai cru avoir compris, c'est que contrairement à ce qui est dit là dans le petit épisode qu'on vient d'écouter, en fait c'est ce fameux secret des bétons romains, c'est pas quelque chose qui est unique. L'utilisation de la chaux vive, c'est pas quelque chose qui est unique aux Romains, qui s'est arrêté dans le temps. C'est l'usage de la chaux vive, ça a commencé avant les Romains et ça a été en fait jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à il y a environ un siècle. Donc c'est l'utilisation de la chaux vive, elle a été générale à travers le monde et cela pendant plusieurs milliers d'années. And the primary reason for that. Well, there are several primary reasons, but a hot mix mortar delivers a mortar that is the most workable, that is the most cohesive, is the most adhesive, is the most economic and efficient to produce, and the mortars for most of history were designed by the people that used those mortars, not designed by people that didn't use mortars. So these are the reasons why. Donc les raisons pour lesquelles on utilisait ces mortiers de chaux vive, c'est que ça, en fait, ça permet l'obtention de mortiers d'un produit à la fois travaillable, c'est-à-dire pratique à travailler pour l'artisan, perspirant, drainant, et c'est une caractéristique qu'on a souvent un peu oubliée, suffisamment résistant, cohésif pour relier les matériaux entre eux, les briques, la pierre. Point important, ces mortiers ont toujours été pensés, conçus par ceux qui les mettent en œuvre. Et voilà, c'est un petit point sur lequel voilà, Nigel insiste. Et je pense que c'est bien aussi de le rappeler après aussi tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que la place de l'artisan, du travailleur, ne doit pas être négligée. Et finalement, peut-être les mieux placés pour concevoir et fabriquer les mortiers sont ceux qu'ils mettent en œuvre. And lastly, because pure lime or nearly pure lime and clay, whether and in combination or with sand, but pure or nearly pure lime delivers the workability, the bond that sticks things together, but also the breathability, the true breathability, the capillarity. No. Vapor permeability is not breathability in a sense that any traditional building understands. We must have capillarity and compatible porosity and capillarity, and if we don't, donc les mortiers de chaux aérienne
sont les plus à même en fait d'apporter à la fois dans le mur en fait à la fois la perspirance, donc la capacité à laisser transiter la vapeur d'eau, mais ça fait aussi, ça permet aussi d'obtenir des mortiers, des enduits, des mortiers de bordage capillaires. Et c'est quelque chose qui a été souvent négligé et qu'on confond aussi souvent, la capillarité et la perspirance, la capacité à laisser transiter la vapeur d'eau. Mais donc, c'est la capacité au final à gérer l'eau, quelle que soit sa forme, que ce soit sous forme de gaz ou sous forme liquide. Voilà. So, this is Moulton in Yorkshire, where I work and where Emma worked with me a lot. This is 1728. Every building we see here, built with limestone or calcareous sandstone. And this is truly sustainable architecture. This is the definition of sustainability. Every material of which these buildings were built has come no further than 1 kilometer from the town. Pardon. Donc, c'est Moulton, une ville où Nigel est basé près de là. Et c'est une ville où vraiment toutes, vous voyez, toutes ces maisons ont été construites traditionnellement au mortier, terre chaude principalement, jointement chaux pur. Et surtout, très important, tous ces matériaux viennent d'environ 1 km en tant que de l'approximation locale. And of course, the artisans who made these buildings lived in this town. They didn't come from hundreds of miles away to work on this town. They lived in this town. Their life was this town. Tous les artisans habitaient dans cette ville et tout était vraiment très local. So, as Emma said, earth lime, building mortars, pure lime, often no sand, lime and hair. Pointing plaster mortars. Donc, toutes les maisons étaient construites terre et chaux principalement, et le jointement en chaux pur avec des fibres animales, donc des poils de chèvre, outre animaux, et badigeons en chaux vive pour terminer les façades. And all of them typically lime washed. Yeah, you said that. Yeah. And this includes, at the top there, that's Castle Howard, a palace, those mortars too. Earth lime, pure lime, because the mortars were designed by the master mason. Et donc, si vous voyez tout en haut, c'est un peu flou, mais tout en haut, c'est le Castle Howard, et une construction très importante, même aujourd'hui. Et même ces mortiers même sont faits à base de terre et de chaux, et, tout simplement parce que les maçons étaient en contrôle du mortier, de la recette du mortier. And lastly, on the sustainability, or the... Sorry, Emma, we can go. It's okay. What is it? This is that is sustainable. That the main threat has been and remains and sadly will be the biggest threat to the sustainability and the durability of this architecture on the grand scale is capitalism. On the particular scale, the threat has been, and still remains, cement, and I'm going to say it, natural hydraulic lime. The two, cement, natural hydraulic lime, very, very similar in their performance, their capillarity, etc. Yeah, okay. It's a lot to remember. Pardon. You don't have to say the bit about capitalism. Okay. Most people understand. J'ai déjà oublié le début. Le début, c'était la menace principale par rapport à ces édifices. Par rapport à ces édifices traditionnels, c'est le capitalisme. Peut-être que vous l'avez déjà compris. Et il voulait surtout revenir sur les problèmes de l'emploi de la chaux hydraulique naturelle et du ciment, bien sûr, depuis le XXe siècle, le XIXe siècle, sur ces fabriques historiques. And if we seek sustainability by insulating these buildings with insulation materials that are not capillary active, that are not equally porous,
but are low in capillarity, such as natural hydraulic lime, such as cement. There is nothing sustainable in that. We will be doing it again and again and again. So, okay. Donc encore une fois, il insiste, hein, mais si on commence à utiliser des matériaux qui ne sont pas capillaires pour l'isolation ou quand on refait les façades, eh ben, on ne produira pas, les rénovations ne permettront pas d'obtenir des bâtiments sustainable, durables. Voilà, donc la clé dans la restauration du patrimoine, c'est de retrouver les qualités apportées en fait par la chaux aérienne pure, les mortiers de chaux vive, qui vont apporter tout ce qui est nécessaire pour une vraie durabilité dans le temps. So, like for like in materials and like for like in performance, material performance of those materials. Donc ces matériaux en fait, ils permettent d'obtenir des équivalents historique. Donc, c'est à la fois des matériaux équivalents et équivalents, du coup, aussi en termes de performance. So, this is inside York House. We have limestone, very good for making lime, bedded in earth-lime mortars, plastered in earth-lime plaster mortars, covered, as we see here, in often just lime and hair, no sand, if aggregate, some limestone aggregate, typically. Donc là, on voit des constructions typiques, hein, où la maçonnerie a été réalisée avec des mortiers de terre. Ensuite, on voit des cordes d'enduit, des enduits de dressage en terre, où terre est chaud, vive. Et enfin, des couches de finition, où c'est en fait de la chaux pure, de la chaux vive pure, mélangé à des fibres animales. And you see the little lime inclusions, the evidence of the lime content, little lime residual lime lumps. Yep. Et on aperçoit aussi les petits points blancs, les petites taches blanches. C'est des petits, on appelle ça des petits clastres de chaux. Donc c'est des résidus. C'est le signe le plus certain que c'était des mortiers. Donc on a utilisé de la chaux vive pour ces mortiers. And the presence of residual lime lumps, maybe this size, in a mortar, in most cases, indicates that that mortar was hot mixed. That's the evidence, the material evidence. Not absolutely always hot mixed or made with very freshly used dry slaked lime and or very freshly used lime putty will leave lumps. But in most cases, hot mixed from quicklime. Donc il revient là-dessus, hein, sur ces petits clastres de chaux. Donc c'est le signe le plus certain de l'utilisation de chaux vive pour les mortiers, ou éventuellement de chaux éteinte, mais très fraîchement éteinte, et utilisée directement dans les mortiers. Donc il y a différents procédés en fait pour faire les mortiers. Mais dans tous les cas, ça prouve l'utilisation de chaux vive ou directement utilisée dans les mortiers ou juste tout de suite après l'extinction de la chaux. And just an example of the analyses we do of the earth-lime mortars, very fine ingredients, clay, silt, the dominant content. Donc un petit exemple d'échantillonnage réalisé. Où on voit que l'essentiel des ingrédients sont des particules très très fines, des grains de sable très fins, des silts pour l'essentiel. Voilà. And of course, these mortars too, very much the primary mortars of Roman construction, the vernacular construction in the Roman Empire. It's the Romans that brought this to Britain, one would say, but yeah. Donc, on retrouve des mortiers tout à fait similaires déjà à la période romaine. Et en fait, c'est les Romains qui ont apporté ces techniques jusqu'au Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver en fait, tout autour de la Méditerranée. Partout où il y a eu l'Empire romain, on retrouve ces techniques de mortiers de terre, à base de terre et de chaux vives. And if we forgot when the Romans left, the Normans brought it back.
Et si ça a été oublié à un moment, les Normands ont ramené ces savoir-faire. Okay, so this the typical pattern of earthline building in Britain, and I should say the most stone buildings in Britain built before 1800 AD, earth lime is the mortar of construction. That's absolutely true across, and I believe across Europe and the world that is the case. But we see. Sorry. Donc voici un exemple typique anglais d'une construction en terre chaude, et vous voyez la finition pure de chaux et je ne sais pas s'il y a de fibre animale. With hair. Fibre animale. Yeah. Et Nigel veut vraiment préciser que c'était la construction vraiment traditionnelle jusqu'avant 1800 en Angleterre, construction en terre, terre pure et finition en chaux. And in this case, and in lots of cases, the lime is just a protective cover. It is pure lime and hair, no sand, and we have no reason to believe that that mortar does not date from 1570 AD. That has been there all of those centuries. This is a very durable material. Yeah. Donc vous voyez sur cette image, donc il répète que c'est vraiment la construction traditionnelle avec cette chaux pure de finition sur les joints à base de fibres animales. Et a priori, il n'y a aucune raison de penser que ce ne soit pas les restes originels de la construction de 1570. Puisque même si c'est très breathable, respirable, c'est quand même très durable. And their frost durability comes from their capillary activity, that as soon as they receive water, they get rid of that water. That's the secret of their durability. Yeah. Donc le secret de leur durabilité, c'est vraiment qu'ils acceptent l'humidité de l'extérieur, tant dans la pluie que dans l'humidité de l'air, mais qu'ils ont cette capacité capillaire de rejeter cette eau. Et c'est pour ça que c'est très durable. The primary purpose, or one of the primary purposes of any mortar, is to keep the building fabric dry. Mm-hmm. I have to mention the word again. In the United Kingdom, I do not know a building that has been pointed with natural hydraulic lime, the fabric of which is not wet all of the time, all year. It cannot dry. Because it is not capillary active and it is not compatible with what is behind it. Tous les édifices que Nigel a pu rencontrer en Angleterre, refaits avec de la chaux hydraulique, les rejointements, il les a toujours remarqués très humides, et c'est parce que la chaux hydraulique n'a pas cette capacité cette capacité capillaire de ressortir cette eau et d'assécher ce mur. Et c'est ça qui est très important, d'avoir une fabrique, une matière sèche. And nor do mortars made with that have workability, cohesion or adhesion in any meaningful sense. But we'll leave that. Okay. Yeah. Donc cette pratique, donc workability, c'est vraiment le côté pratique de travailler. Adhésion, cohésion du mortier. These are building accounts, but just draw attention to the six charrettes there. Yeah. And one of lime, three of sand. Those are the typical ingredients of a typical earth lime mortar. You will often have to put sand to it to bring down the clay content and so on. So we see the ingredients in building accounts. We see people saying, dig the mortar. Vous voyez les comptes, les comptes du chantier. Donc, je veux vraiment vous préciser sur 6 charrettes de terre, 1 quart de chaux, 3 charrettes de sable. Et ça, ce sont vraiment les matériaux pour faire des mortiers de terre chauds. C'est très important. Hein. Okay, move on, Emma, please. Yeah. Okay, so some examples from around.
here in Normandy, Emma's village, in fact. But we see earth lime building mortars, the lime lumps indicating that. We see very lime-rich, if not pure lime, lime-only pointing mortars. The same system. Mm. Donc, voici mon village, en Normandie, et encore ce système et cette façon de construction toujours répétitive, avec des murs en terre et avec les inclusions, vous voyez, de chaux dans les murs de construction et le jointement en chaux pur. Fibre peut-être, fibre animale ou non. And then Valencia, this is not a Roman building, this is an 18th century building, but of course Roman building patterns, which is why I love Valencia, continued unbroken in Valencia. So we see earth lime bedding mortars, hot mixed lime pointing mortars. Mm. Donc à Valence, les traditions vraiment ont perduré. Et tout de même, donc, construction en terre chaud, de chaux pur, de chaux vive, et ensuite... And also, the medieval city wall of Valencia, built with hot mixed and hot poured concrete, pozzolanic concrete, just as described, like the Romans, and contemporary accounts say that when the wall was being built, they were steaming, as the walls were steaming as they were built. Donc toujours le même système constructif, en fait, hein, qu'on retrouve tout au long de ces images, donc issu, encore une fois, directement de l'Empire romain, et une des descriptions qui est restée du moment de la construction, il y a eu des descriptions comme ça qui disent qu'en fait les murs fumaient. Et en fait, ce n'était pas de la fumée, c'était de la vapeur d'eau. Ce qui est encore une fois une indication qu'on utilisait des mortiers chauds. C'est-à-dire, immédiatement, on faisait l'extinction de la chaux, donc il y a une élévation de température, on appliquait directement les mortiers chauds. OK, Asturias, earthline building mortars, hot mixed. Plaster mortars going on. If we look at the house here, this is the system. Hot mixed plaster over the, and then hot lime wash applied over that. Again, made directly from quick lime. Not from lime putty. That's rubbish lime wash. From quick lime and applied hot. Donc, une fois encore, hein, même système constructif. What was that? Asturias. Asturias. Donc même système constructif, sauf qu'en plus là on a un enduit de chaux vive, et enfin on en voit encore les restes, hein, assez clairement, des badigeons de chaux vive. Et là encore une fois, Nigel insiste sur le fait que c'était clairement des badigeons de chaux vive, pas des badigeons de chaux éteinte comme on a tendance à le faire aujourd'hui, et c'est ce qui explique aussi leur durabilité. Ok. Oh, what's happened there? That shouldn't be the next slide, but... Oh, we're out of sync. It's okay. No, go back. No, go where you went. Yeah. Okay. So I didn't. I've got a different version on my computer. It's okay. So this is Tel Aviv again in Israel now, Palestine, and we have earthline building mortars, the norm, and lime and flax pointing mortars, pure lime and flax, over the whole. You see, historically. Donc, encore une fois, là, cette fois, un exemple à Tel Aviv, en Israël. Donc, même système constructif. Donc, ça, c'est un bâtiment qui est de 1850. Et on trouve encore le même système constructif avec des mortiers de terre et chaux vive, un rejointoiement à la chaux vive pure, ou avec un peu de sable. Et enfin, et voilà. And this is recent, was completed last year with the same, for the first time. So we have pure lime and flax straw to stop the shrinkage. Donc des mortiers de chaux vive avec des foies animales, pour éviter le retrait, en fait. And the only thing that is missing here
in my opinion, and the masons that did this work, is limewash. But the architect drew the line at limewash. Limewash has been forgotten in Israel, it's been forgotten in Britain, it's been forgotten in so many places. Yep. Donc, voilà le travaux, les travaux réalisés, et tout à fait conformes à l'original, sauf en ce qui concerne le badigeon, donc il n'y a pas de badigeon. Et pour Nigel, c'est une évidence que en fait, ces bâtiments étaient terminés avec des badigeons, non seulement là, mais dans bien des endroits. Bon. I should say, earth lime and lime, air lime rich mortars have very similar capillarity. They are intimately compatible with one another. Yeah. Donc, un point important, les mortiers de finition, les enduits de finition, de rejointoiement, qui sont de la chaux pure, sont tout à fait compatibles et parfaitement compatibles et donc rentrent sont tout à fait cohérents avec les mortiers de lourdage en terre ou en terre et chaux vive. But if we look at pictures from Palestine, of course, everything was limewashed. Et si on regarde des images, là c'est Jérusalem d'avant l'industrialisation, on voit que en fait la totalité des constructions était badigeonnée, une Jérusalem toute blanche. Go again. What's happening? Ah, okay. So, lime wash or not lime wash? I leave that choice to you. But when you put a coat of lime wash on, you present the whole surface area of the building is capillary active. Yeah. Donc, il vous laisse choisir, hein, qu'est-ce que vous préférez, juste la pierre apparente ou avec un badigeon de chaux. Au-delà de la question esthétique, en fait, l'avantage du badigeon de chaux vive, c'est qu'il rend l'ensemble de la surface capillaire. Donc, il va améliorer encore la capillarité du mur et permettre son assèchement plus rapide. And in Britain, we are reviving this, so these churches, hot mixed render coats, hot mixed plaster, hot lime wash. Donc maintenant, de plus en plus au Royaume-Uni, sur les rénovations, la norme, c'est en train de devenir enduit de chaux vive, mortier déjà de chaux vive, enduit de chaux vive, et enfin, badigeon de chaux vive. OK. So, right. I'm just going to... We're running behind, but I hope you don't mind, because I'd like to get through this mostly. But this is the earliest known use of lime in the world, 12,000 years ago, in what is now Galilee. The important thing to note here is, and it's earth lime and pure lime plasters, but they used pure lime, that's the important thing. The immediate geology in Galilee there, where the site is, was impure lime. They went 12,000 years ago a long way to get pure lime, and that was the point, because that's what we have always wanted to use as masons. And they were hot mixed, so right from the very first use. And at this time, 12,000 years ago, the conclusion of the researchers is their understanding of lime burning and lime technology was already very sophisticated. This is not the first use. Donc là, c'est des échantillons de prélèvement des plus anciennes traces en fait de mortiers qui contiennent de la chaux, et donc là encore de la chaux vive. Plus anciennes traces, donc moins de 12 000 ans. Donc c'était des chapeaux qui au-dessus de tombes en fait. Donc c'est construction pour les morts. Mais donc les plus anciennes traces d'utilisation de chaux. Et donc là encore, déjà à cette époque, il y a 12 000 ans, les Natufiens avaient compris et maîtrisé parfaitement la technologie de la fabrication de la chaux. Et par exemple, ils avaient compris qu'il n'y a pas sur le site où ont été trouvées ces tombes, il n'y a pas de calcaire permettant d'obtenir de la chaux pure, de la chaux aérienne. Et donc, ils avaient été prêts à aller chercher
cette chaux, enfin ce calcaire pur qui permettrait de faire la chaux à une certaine distance. Voilà. Okay, right. Okay, so I'm not. We won't dwell on that one. They're much the same. Because it's so late, I want to point you to Champly. And if I read that, we differentiate mortars thus: fat lime for raising walls, so fat lime above ground, and a fat lime would include earth lime and pure lime and sand, and then hydraulic lime, and not necessarily natural hydraulic lime, pozzolanic hydraulic lime underground, underwater, underground, not above ground. And cement in the most particular places. The only thing that has changed through history is the nature of that cement. But this is the universal hierarchy of traditional building construction, described here by Champly. Fat limes above ground, and obviously hydraulic on the very top, but otherwise hydraulic materials underground. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire que je traduise là. Vous avez le texte sous les yeux. Mais en fait, l'idée, je vais résumer très vite, ce qui revient toujours dans les textes, c'est qu'on utilisait de la chaux grasse, donc de la chaux aérienne, au-dessus du sol, et on gardait les mortiers de nature hydraulique pour les sous-sols, et éventuellement un petit peu en toiture, mais jamais au-dessus du sol, sinon... Et ces mortiers hydrauliques, bien souvent, en fait, ils étaient aussi réalisés à partir de chaux grasse, de chaux aérienne, mais ils étaient hydraulicisés, avec des agrégats d'origine volcanique ou de la brique pilée. Voilà. Yeah. Yeah. I have to be, again, I would say that in Britain, certainly, the only preferred use for natural hydraulic lime was to make concrete. That was it, concrete. I'd just throw that in. Donc, encore une fois... La seule utilisation de la chaux hydraulique, c'était pour faire des bétons. Otherwise, pure lime or pozzolanic mortars made with pure lime. Okay, are we here? Yes. So these are the mortars from London in 1750 and earlier. We will just look a bit. We've got inside and outside mortar made of lime and sand. That's pure lime and sand. And then the others that with trass, with brick, with ashes, are for underground and underwater use. Yeah. And then we come right down through. Ignore the plaster. That's alabaster for sticking tiles onto a fireplace. But lastly, yeah, you okay? Fine mortar made of lime putty only and for very specific use. Very tight joints in brick and in stone. I've seen it in Arles. The very fine ashlar with joints like that, that is where they use lime putty. And other than that, for the final finish coats on plaster. That's all. Those were the uses for lime putty. Lime putty was not used as a binder historically. It was distrusted as a binder. Alors voici un compte, une liste de mortiers à Londres. Pour différents mortiers et différents usages. Et principalement, vous voyez, donc, dès qu'il y a cendre, je ne vois plus les autres. Poussière de briques, traces, ce sont des additions pozzolane, donc pour l'hydraulicité. Les mortiers intérieurs et extérieurs, base de chaux et de sable. Nigel voulait préciser que le mortier de plâtre en albâtre calciné n'était pas fait pour la construction, mais pour en tant que glue pour coller les éléments de parement. Et il voulait également préciser la chaux en pâte. Qui était faite juste pour les joints les plus fins, où on devait avoir la chaux la plus pure sans inclusion de chaux morceaux. That's okay. Yeah. En fait, c'était la chaux éteinte, aérienne éteinte, était en fait finalement, contrairement à ce qu'on pense communément, enfin les spécialistes de la chaux,
n'était pas si courante que ça. Elle était vraiment réservée à des travaux très spécifiques, qu'on avait besoin de faire des joints très très fins entre des pierres très bien taillées, ou pour certaines finitions, type fresco ou des choses comme ça, où on voulait surtout pas avoir des éclats. Mais sinon, c'était des choses vives. You see, all uses where residual lime lumps would be a nuisance. That's it. That's the only reason to make lime putty, to get rid of those lumps. Oui, donc la seule raison pour faire cette chaux en pâte, c'était vraiment pour éviter les inclusions, puisque les joints étaient tellement fins qu'on voulait une chaux pure. Okay, and how were these mixed? The inside and outside mortar, we look at the outside mortar, two quick lime, unslaked lime, one sand. And quick lime, of course, when it slakes, doubles in volume. So the proportion of this mortar is four lime, one sand. Donc la recette, on va dire, de ce mortier est une chaux vive pour deux chaux vives. J'ai déjà oublié. Deux chaux vives pour un volume de sable. Là, c'est une recette historique qui est notée. Donc c'était deux chaux vives pour un volume de sable. Et en fait, deux chaux vives, comme la chaux vive au moment où elle est éteinte, elle double de volume. En fait, ça correspond à quatre volumes de chaux pour un volume de sable. Ce qui est tout à fait inhabituel, tout à fait contre... ça vient à l'encontre, vous n'êtes pas forcément spécialisé des enduits et mortiers, mais pour des gens qui connaissent bien les enduits, ça vient bouleverser complètement l'appréhension qu'on a des enduits et des mortiers historiques. And the lime and the quick lime and the sand mix together as it slakes. The others, you see, he says, add hot lime. So that's lime slaked initially on its own, and then the aggregate mixed as soon as it has finished slaking, yeah, into it. That's also hot mixing. Yeah. Donc, en fait, ces mortiers de chaux vive, pour l'essentiel, ils étaient réalisés directement. Donc avec la chaux vive, donc on mélange directement les agrégats avec la chaux vive au moment où on fait l'extinction. Et dans certains cas, on éteignait la chaux vive d'un côté, et immédiatement, alors qu'elle était encore chaude, alors qu'elle était encore en train de se transformer, on la mélangeait aux agrégats. Et dans tous ces cas, on obtient des mortiers, des enduits, qui ont les qualités de hot mix, de mortier, ces qualités très spécifiques. OK, now this, we're not going to dwell here, but... This is a run of slides done in Greece, looking at mortars from the ancient Greek period through every period subsequently, identifying the presence of residual lime lumps, therefore indicating hot mixing. And we see in the ancient Greek people, first period, the building mortars, 100% hot mixed. The Roman period, of course, this is according to the samples, but 80%. Obviously hot mixed. And on. Donc là, c'est des diagrammes qui sur des recherches qui ont été faites en Grèce, où on voit en fait la présence de. Ils ont cherché la présence de différents ingrédients dans les mortiers. Ce qui nous intéresse, c'est la première colonne. Et ce qu'on voit, c'est que pour la période hellénistique, par exemple, 100% des mortiers étaient faits en hot mix. Sur la période romaine, 80% au minimum. Évidemment, c'est un échantillonnage qui a été fait, mais sur un très grand nombre d'échantillons. Okay. And then right through. So the Byzantine, the Ottoman, the medieval, and actually the beginning of the 20th century. Emma translated that a little wrong, but no. So. Donc, même chose, c'est la suite dans l'histoire. Hein. On voit qu'il y a une continuité dans l'utilisation de ces mortiers de chaux vive à travers le temps et l'espace aussi. Il y a juste une erreur sur le dernier. Ce n'est pas 20e siècle, mais c'est 19e, hein, c'est ça voilà. Début 20e. Donc, sur le dernier diagramme, c'est... OK. Voilà. Yeah. Sorry. Yeah. So, quickly, Roman mortars in Valencia... Here and Roman plaster on those mortars. This is underneath the medieval cathedral, excavated. And here in Greece, up there, Greece, this all in Valencia, but you can see the lumps, you can see that this was hot mixed. Yeah. Donc, des photos prises à différents endroits, à Valencia, en Grèce, et dans tous les cas, on retrouve ces grumeaux de chaux vive, donc c'est les petites taches, les petits points très blancs. Et ça, c'est vraiment la signature de hot mix, de mortier de chaux vive. So, I'm just reiterating, the vast majority of mortars were hot mix. This is Vermont in the USA. We'll move on.
Donc même chose dans le Vermont. Now we've got the methods, but I'm, we can't. We haven't got time, have we? To we've got the. These are descriptions of method, but I've got pictures too. So we'll move on through. Il voudrait vous en dire beaucoup, évidemment, mais on est limité dans le temps. Hein, donc on va so the ordinary or common method, and this is how it is described through in all building cultures that I know: a ring of the aggregate, lump lime in the middle, add the water to that, bank the sand over, let it cook, mix it together. Use it or not. You don't have to use it hot, but that is the mixed method that is hot, not necessarily the use. Donc là, c'est une description très rapide de la fabrication de ces mortiers de chaux vives. Donc, une description très courante qu'on retrouve tout le temps au long de l'histoire, c'est voilà, une couronne de sable, d'agrégat, la chaux vive au milieu. On verse l'eau, il y a la réaction exothermique très, très forte, très impressionnante qui se produit. On recouvre de sable pour garder la chaleur. Et ensuite, dans un deuxième temps, on mélange. En fait, ce qui va être très important, c'est le passage de l'eau d'extinction à l'état de vapeur. Et c'est ça qui, un des éléments qui va transformer complètement le matériau. OK. No time to dwell on the written evidence, but you can look at this later. So we shall, and the other method is aspersion, slaking the lime by pouring just sufficient water or dipping the lime underwater, taking it out, tipping it. And then mixing it with sand or not. Yeah. Donc là, l'idée très très vite, c'est différentes méthodes d'extinction, mais l'idée toujours, qui revient toujours, c'est d'avoir cette élévation en température pour passer de l'eau d'extinction de l'état liquide à l'état vapeur. Okay, dry slaking in France, they're slaking the lime to a dry slake, they're sieving the lime, they're mixing it, they're using it, all in a row, yeah? Donc des images qui montrent les processus où on faisait l'extinction au pied du chantier et directement le mortier allait dans les murs sur les murs. And then the ordinary or common method here, again. Donc toujours la même méthode avec de l'eau de mer, mais c'est la même chose, c'est le même processus. Yeah, and this just showing the dry, how dry a building is with a pure lime mortar compared to a cement mortar, as still below. Donc la partie supérieure a été traitée avec des mortiers de chaux vive, la partie inférieure est restée avec des rejointoiements au ciment, et donc on voit bien, ben, à la couleur de la pierre aussi, qu'on a un édifice qui est sec dans la partie supérieure et qui reste humide dans la partie inférieure. And the same, how dry that building is with an airline mortar, no porcelain, this is in a wet and exposed part of North Yorkshire, but it's a dry building all of the time. Yeah. Donc voilà un mur très exposé à l'eau qui a été traité aussi avec des mortiers de chaux vive et qui depuis ça qui est parfaitement sec, qui reste parfaitement sec. These are, we're not going to dwell, but these just show that in Spain, in France, the description and in Britain and America, the description is always about is just about the same of the method. The descriptions are the same wherever we go. Donc partout où on va, en Europe, même aux États-Unis, on retrouve les mêmes descriptions pour la fabrication des mortiers. How did we get there? Okay. And it wasn't uncommon to mix powder and quicklime together. So you mix the two and mix them up. Martine and De La Fay described that, always saying it gives the strongest mortar of all if you use powder, mix and slake with the sand or the aggregate, and then use. Yep. Bon, vous allez vous contenter de lire la description, j'ai pas, voilà. Mais c'est ça. And that's dry slaking. Yeah, dry slaking. Donc c'est différent. Il y a, ce qu'il faut vite comprendre, c'est qu'il y a plusieurs approches dans les méthodes d'extinction. Donc il y a des petites nuances entre les différentes approches. On rentre un peu dans la technique là, mais voilà, l'idée, ça va toujours être la même pour obtenir les qualités de ces mortiers de chaux vives. So a few projects just to show these. This done with hot mixes. Through the winter, I stress, and a very cold winter as well. Again, in my opinion, that now needs lime wash, but yeah. Donc un bâtiment qui a été rénové en plein hiver, dans des régions quand même très froides. Donc tout ça sous-entendant qu'il résiste beaucoup mieux au gel pendant leur application, parce qu'en fait, il sèche beaucoup plus vite. Voilà. Move on. And lime putty used on its own as a bedding mortar. Donc, so, here, yeah. Voilà, de la chaux en pâte utilisée pure
pour comme mortier de wardage. Okay, and then very lastly, this is a project I did recently in the north of England, in so a very cold, well, relatively cold place. This building here, 1610 construction, the original panels in the infill panel, it had been covered in concrete render, but the original panels, lime and hair, no sand, lime and hair. So we reproduce that. Donc, encore une fois, un bâtiment du XVIIe siècle qui était couvert de ciment, hein, et donc une fois décrouté, et à l'intérieur, en fait, c'est du colombage, et à l'intérieur, dans le colombage, c'était simplement des mortiers de chaupures et de fibres animales. Okay. Yeah, sorry, that's it. No, go back. Yeah. You spot the punchline. so, dry slaking, and to be successful with lime and hair only, for it to be practical, you must dry slake. Dry slake lime behaves differently to wet slake lime. There are reasons for this, we haven't got time to go into that. So I'm dry slaking on the pavement outside the building in the city. Then after it's dry slaked, add the hair in, mix the hair and the water, and then apply it. And it, as you'll see, donc, il y a encore une fois plusieurs approches, plusieurs méthodes. Ici, c'est du dry slaking, de l'extinction sèche, c'est-à-dire qu'on met juste la quantité d'eau nécessaire pour passer de la chaux vive à la chaux en poudre, mais toujours en ayant cette élévation de température au-dessus de 100 degrés. Et là, donc, on fait du dry slaking, donc une extinction comme ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va remouiller la chaux pour la transformer en pâte et ensuite ajouter les poils. And so you see, we've got the same lathe carries the internal plaster and the external infill panels. So they're sharing the lathe. This was applied. And again, if it's dry slaked, within 2 days, you can't make a fingerprint into that. It behaves very differently. And it was the preferred method of the crafts for that reason, obvious reason. It doesn't shrink anything like as much. And it moves to initial set very quickly compared to lime putty or other ways. But, and sorry, yeah, just, and that's finished with a hot lime wash after the repairs, and that's it, is it, but, yeah. Donc, là, le système constructif, c'est un système avec des lattes, hein, il y a une ossature bois, un système de lattis, et application du même type de mortier de chaque côté, à l'intérieur et à l'extérieur, où c'est simplement de ce qu'on a vu là juste précédemment, de la chaux vive, dry slaked, avec des poils, et voilà, et voilà ce que ça donne à la fin. And really, that's it, but I would say I've been working with hot mixes for 20 years. This is the first time I've used dry slake, lime and hair. And it is the most incredible mortar I have ever used in my life. I mean, absolutely. But so all I'm saying to you out there, the masons, give this a go. The material will teach you. We just need to believe, we need to know that what we are doing and the way we make the mortars and the uses we put them to are the same as they made them and the uses they put them to. And we are at that place. We have done the research. We've done the practice. We know we're about there. And we can expect to be as successful as they were and as their materials have been. And we don't need to think that our lime mortars and our earth lime mortars will last, oh, maybe 20 years, maybe 25. Maybe. They will last indefinitely for hundreds of years. If we do it right, at Masada in Israel, the earth lime mortars, the lime mortars, are still there. They've been there for 2,000 years, okay? We've just got to do it right. And this is true sustainability, yeah? Voilà. That's it. Donc. Bon. C'est aussi, je pense, c'est vrai que les derniers mots
c'était ça, c'était revenir aux techniques traditionnelles qui ont prouvé hein, leur durabilité. On trouve des exemples qui ont plus de 2000 ans maintenant et qui sont toujours là, qui sont toujours présents. On en a d'ailleurs à Arles, hein, on a été voir les thermes de Constantin, un peu partout, on a des exemples comme ça. Et donc, c'est ça, la durabilité. Ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 25 ans, comme on essaie de nous le faire croire en nous préformulant des enduits, des mortiers. C'est en revenant à la base, c'est-à-dire aux matériaux initiaux, aux matériaux qu'on utilise déjà depuis plusieurs milliers d'années, que les artisans maîtrisaient en tout cas, et contrôlaient parfaitement. Ils fabriquaient leurs mortiers, et c'est ça la durabilité, c'est ça qui permet de réaliser des édifices véritablement durables. Voilà. Ben voilà, j'ai rien à dire après ça. Quand même, c'est hyper fort et je trouve ça très beau que ce soit la voix des artisans qui monte là sur ça, parce que quand même c'est assez énorme d'avoir oublié ça. Et voilà, on pourra en parler après dans les couloirs, hein, pourquoi on a oublié ça, à partir de quand, comment ça s'est passé. Eh bien, évidemment, on s'est posé toutes les milliards de questions et il y en a encore qui restent, hein, mais voilà, on pourra continuer d'en discuter. Et maintenant, bah, j'ai le plaisir d'inviter l'école des mines d'Alès, voilà, représentée. Merci. Voilà. Hop. Je te laisse. Attends, il faut qu'on change le machin. Alors, il faut juste passer les slides. Non, on change. Qu'est-ce qui s'est passé? La diapo est ailleurs. Elle nous a expliqué. Ah, d'accord. On nous a dit qu'il fallait fermer. Tu veux m'embarquer? Non, mais il m'embarque. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Et le truc, ça doit être ça, là. Par contre, on nous avait dit qu'il fallait fermer, sinon ça ne passerait pas. Ah ouais? Tu crois? Ah ben si, c'est bon, regarde. Oui, ça fait ça. Ah ben voilà. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il faut régler la distance du micro. Voilà, donc je suis Jean-Claude Souche, enseignant-chercheur à l'école des mines d'Alès. Je suis ingénieur, docteur en génie civil. Avant de faire ce métier-là, j'ai fait 12 ans de maîtrise d'œuvre en ingénieur maritime dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Belkacem Otazaguine. Donc moi, je suis enseignant-chercheur au Centre des matériaux des mines d'Alès. Et je suis également responsable du département ECOMAP, que je vous présenterai dans un second temps, qui s'intéresse aux matériaux. Voilà, donc on va vous présenter cette notion d'éco-conception qui vient en force au cœur des formations. Pardon. Et comment on appréhende ça dans les formations? Parce que qui dit former, dit être en avance de phase. Sur les usages, parce qu'on forme les professionnels de demain. Et donc, ça nous pose un certain nombre de questions. Je précise que ce qu'on vous montre là, c'est aussi le message qu'on fait passer aux élèves. Hein. On leur dit les mêmes choses. Donc, l'ingénieur, aujourd'hui, se couvre... Alors, moi, je vais être plutôt centré sur la notion d'ouvrage de génie civil. Génie civil, c'est un terme générique. Hein. Ça couvre le bâtiment, ça couvre les infras, ça couvre les travaux maritimes. C'est un terme générique. Belkacem, lui, sera plus sur une position matériaux. Nous, génie civil, c'est la multi-échelle. Si on passe du matériau à la structure, au gigantisme de l'ouvrage. Hein. On est vraiment dans cette logique-là. Donc, l'ingénieur, aujourd'hui, se trouve confronté à différentes problématiques. Hein, une transition énergétique, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le savez. Une transition écologique, et on ne peut pas dissocier transition écologique des infrastructures. Les infrastructures ont un impact tellement fort que, de toute façon, c'est complètement indissociable. Et bien sûr, l'ingénieur, il se trouve confronté aux effets du changement climatique, donc à la résilience, par exemple la gestion de l'eau, par exemple la protection des populations vis-à-vis des événements climatiques forts. Et aujourd'hui, bien sûr, avec des aspects de numérisation des métiers, d'apparition du BIM, du Lean Construction, de tout un tas de choses, dont, dans certains cas, on peut se demander si ce n'est pas simplement un retour aux usages normaux. Voilà.
Donc juste quelques éléments de contexte pour, vous allez voir, hein, c'est pas moi qui ai écrit tout ça, c'est des rapports différents. Donc ici, vous avez un rapport du gouvernement sur les besoins d'ingénieurs d'ici 2030. Hein, et on voit qu'entre le renouvellement des gens qui partent en retraite et les besoins de métiers nouveaux, on a un besoin de plus de 30% de cadres dans la profession du BTP. Et ce plus de 30% n'inclut pas d'ailleurs les besoins dans l'ingénierie. Donc c'est assez considérable. J'ai pris quelques éléments du Shift Project, donc c'est un groupe de réflexion dont vous avez dû entendre parler, et ils ont différents axes, et ils disent l'axe 1, c'est faire preuve de sobriété. Donc c'est la sobriété matière, c'est la sobriété matériaux. Ça veut dire que le boulot de l'ingénieur génie civil, il revient au centre du jeu, c'est-à-dire que son optimisation qui consiste à choisir le bon matériau pour le mettre au bon endroit et dans les bonnes quantités, ça devient fondamental. Je rappelle que le meilleur matériau, c'est celui qu'on n'utilise pas en termes d'impact environnemental. Deuxièmement, il y a un axe sur la rénovation énergétique avec un travail sur les enveloppes et enfin tout ce qui peut aller dans le sens de la décarbonation. Je pense que le premier exposé nous a fait comprendre qu'il valait mieux y aller et vite. Ici, j'ai pris un petit document que j'ai récupéré sur la Fédération des travaux publics. Donc là, on est chez les terrassiers, chez les routiers, chez les gens qui font de la canalisation. Et donc, on se rend compte que le poids de l'utilisation des infrastructures, c'est plus de la moitié de l'empreinte carbone de la France. Donc, c'est l'usage, en fait. Hein. On voit que la construction, c'est moins de 10%. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire dans la construction. Ça veut dire que comme pour le bâtiment, l'impact environnemental d'un bâtiment, c'est à 70% son exploitation, qui dure 50 ans. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut répondre à des enjeux de réduction des impacts carbone, d'éco-conception des ouvrages, hein, c'est les documents de la Fédération des travaux publics, hein, on est d'accord, hein, éco-conception des ouvrages, restauration des écosystèmes, faire quelque chose pour la biodiversité, de résilience des territoires et de maintenance et réhabilitation du bâti existant. Bâti au sens large, c'est pas que des bâtiments, hein, on a un bâti très riche, on a des ouvrages ferroviaires sur toutes les anciennes voies ferrées, on a des petits ponts, des vieux ponts maçonnés partout, sur nos grands axes, mais aussi sur nos petits chemins vicinaux ruraux. Et tout ce bâti-là peut être réhabilité. Alors, donc, si je fais un bilan rapide, mais quand même, voilà, aujourd'hui, quels sont les besoins d'infrastructures ? En fait, on se rend compte qu'on a une modification du besoin d'infrastructures et de la manière de les construire, les deux. On veut faire de nouveaux mix énergétiques, des éoliennes, des centrales nucléaires, il faut le construire tout ça. On veut faire de la sobriété énergétique des bâtiments, il va falloir revoir toutes ces enveloppes et toutes ces passoires thermiques. Et enfin, bien sûr, il y a un fort impact sur nos usages, sur les mobilités. Donc là, il ne faut pas l'oublier. On a un aspect fort sur l'éco-conception des infrastructures, donc parfois avec une cofonctionnalité environnementale pour la biodiversité, je vous montrerai une image plus loin, avec des notions de reconquête urbaine, hein, de friche industrielle, de friche urbaine. Hein, on vous parle beaucoup, vous avez entendu parler des entrées, sorties de villes qui sont moches, qui sont partout les mêmes dans les villes moyennes en France, parce qu'on a fait des zones commerciales, et on s'est dit, il va falloir reconquérir ça. Parce qu'en même temps, on se dit, oui, mais il y a zéro artificialisation nette. Donc c'est un peu compliqué de répondre à tout ça. Problème de résilience des territoires et, au cœur des sujets, maintenance, réhabilitation du bâti. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le génie civil, ça devient, c'est au cœur du réacteur, quoi. Ça devient un outil puissant au service, alors je ne l'ai pas mis, mais de l'homme et de la nature, hein, les deux. Donc comment on essaye d'y répondre, nous? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, on est là pour ça, pour vous dire comment on essaye d'y répondre. On essaye. Donc déjà, on se rend compte qu'avec les jeunes générations, on a des gens qui sont très sensibilisés aux problèmes environnementaux. C'est quelque chose qui les anime. Et quand on discute avec les jeunes et qu'on échange avec eux, ils nous disent, bon, de toute façon, le train il est passé, hein, les carottes sont cuites, hein, on y est dedans, quoi.
La seule chose qu'on ne sait pas, c'est le niveau, la hauteur de la vague qu'on va se prendre. C'est assez désolant d'entendre des jeunes de 20 ans vous dire ce message-là. Bon, alors moi, je leur dis, non, il faut être dans l'action. Hein, ce que vous avez dit, madame, hein, il faut être dans l'action, il faut y aller, il faut chacun à son niveau, il faut faire ce qu'on peut faire. Et puis moi, je leur dis, hein, regardez, moi, j'ai fait des études dans le béton, c'est mon truc, j'adore ça et tout. Et puis à côté de ça, je suis plongeur sous-marin, j'adore la mer. Eh bien, je me suis démerdé pour faire des ouvrages qui vont sous l'eau, qui font des trucs, je vous montrerai après. Donc voilà, le but, c'est de donner du sens. C'est que cet environnement-là permet de donner du sens. Mais pour donner du sens et pour être capable d'aller vers l'ingénieur au service de la nature, il faut être bon techniquement, parce que c'est plus compliqué. On rajoute des couches par rapport à avant. Je rappelle, quand moi j'ai fait mes études, moi je fais des études de calcul de structure. J'étudiais une structure, au mieux j'avais quelques notions sur le matériau béton, et puis c'est tout. J'en prenais trois caractéristiques macroscopiques, je faisais mes calculs, et puis voilà. Mais là, c'est plus ça. Là, il faut être capable de connaître le matériau pour choisir le bon. Je pense que, messieurs, vous l'avez montré, il y a des vrais sujets. Deuxièmement, il faut ensuite être capable d'utiliser ce matériau dans le calcul de structure. Et puis ensuite, il faut aller sur l'approche chantier. Vous avez cité chantier vert. Cette approche chantier, cette approche terrain, il va falloir la réaliser. Et ceci sans perdre de vue l'exploitation du bâtiment qui se termine par la déconstruction. Donc, on rajoute des couches, là. On fait de l'économie circulaire, on fait du conceptuel et du terrain, on fait du micro, du méso et du macro. Et tout ça, ça nécessite des compétences. Donc, ça nécessite aussi d'avoir un esprit d'analyse, du bon sens et de l'esprit critique. Parce qu'on est à la fois l'ingénieur, il se positionne comme quelqu'un qui amène un savoir, voire un savoir-faire, mais ça veut dire qu'il faut avoir une vision très, très large. Donc, il faut être capable d'analyser tout azimut des sujets qu'on ne peut pas aborder à l'école. On ne peut pas tout apprendre à l'école, ce n'est pas possible. Nous, en département, on les a 3 semestres, 1 an et demi. On leur donne des bases. Après, c'est à eux à apprendre au quotidien. Donc, c'est aussi, on essaye de leur dire, il faut avoir des convictions. Ce n'est pas tout de s'abriter derrière des normes, des règlements de calcul, des machins. Il y a des moments, il y a des choix qu'il faut faire. C'est savoir s'adapter pour accompagner les mutations. C'est saisir les nouvelles opportunités qu'on présente comme des opportunités plus que comme des contraintes. Sur la décarbonation, etc. C'est savoir travailler avec méthode, parce que les jeunes aujourd'hui, parfois, ils n'ont pas les méthodes qu'il faut pour aborder des sujets, et développer ses capacités de travail, ça aussi. Travail et implication, c'est au cœur de... Il n'y a rien qui vient si on ne donne pas de soi, ça c'est clair. Et enfin, c'est être résilient à la pression, à l'éco-anxiété, etc. Parce que dans les jeunes générations, on voit ça. On voit des gens, des jeunes qui deviennent un peu fragiles par rapport à tout cet environnement qu'on nous met sur la tête. Et là, vous ouvrez BFM TV ou CNews ou ce que vous voulez, et puis vous verrez ce dont je veux vous parler. Donc, ce sont les axes clés que nous, on essaye de développer au département. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a au département? On a 2 diplômes. Un diplôme d'ingénieur généraliste avec 2 options. Une qui s'appelle ingénierie, infrastructure et grands ouvrages, l'autre bâtiment énergie, et une option bâtiment, une filière bâtiment qui est une filière par apprentissage. D'accord ? Donc c'est deux types de diplômes, plus un parcours ingénieur-architecte qu'on fait avec nos partenaires de l'Université de Liège, de l'Université de Mons et de l'ENSAM, l'EM n'étant pas Marseille comme tout à l'heure, mais Montpellier. Et enfin, un diplôme d'ingénieur de spécialisation avec un partenariat qu'on a avec le CHEC, le Centre des hautes études de la construction à Paris, qui fait un +6 de très très bon niveau sur le calcul de structure, qu'elle soit métallique, béton, bois, etc. Parce qu'on se rend compte qu'acquérir toutes ces compétences, ça devient juste d'arriver à faire ça en 5 ans. C'est ric-rac, Donc il faut aller chercher plus loin. Alors ça, c'est la théorie. Et puis la pratique, c'est ça. Ouais, alors là, je vous mets au défi de comprendre mes trucs, mais c'est juste que vous voyez que par rapport à ça, les filières, les formations doivent individualiser les parcours.
C'est-à-dire qu'on en a qui vont vouloir faire archi, ben ok, archi, ingé, ben tiens, toi tu vas aller vers ça, mais tu vas moins faire de ça, mais plus de ça. Il y en a qui vont aller faire de l'infra, mais qui veulent aussi faire de la réhab en bâtiment, eh bien tu vas aller faire ci, puis ça, etc. Et ça, sans parler de l'international, avec tous les accords de double diplôme que l'on a partout, qui font qu'on a des élèves qui partent, d'autres qui reviennent, etc. Donc il faut gérer tout ça. Alors, quand je dis qu'il faut gérer, c'est une contrainte, mais c'est en même temps une richesse. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui, comme ça, peuvent encore plus donner du sens à leur formation. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont la centrer sur des choses qui leur sont importantes. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la mixité des populations. On a dans les populations chez nous des cours. Alors ici, je vous ai montré deux plannings et puis avec des carrés qui montrent des mutualisations à certains moments, où on va mélanger les apprentis, les étudiants. On va mélanger des gens qui viennent de l'international, qui viennent de l'export, avec nos étudiants qui ont fait prépa et puis première année chez nous, etc. Et tout ce mélange-là, ben en fait, c'est très riche parce qu'en fait, c'est une émulation des uns avec les autres. Alors, je le dis souvent, hein, au début, quand on a fait tout ça, ça date de 2016, hein, ce concept-là. Quand on a mis en place tout ça, je me suis amusé les premières années à regarder par population un petit peu les moyennes que l'on a aux évaluations. Et je me suis rendu compte, pour tous ceux qui étaient étudiants qui ont fait prépa, qui ont de la méthode, je dirais, scolaire notamment, que tout ce qui était contrôle écrit, QCM, machin, etc., en gros, ils mettaient 2 à 3 points en moyenne aux apprentis, qui sont plus dans le côté professionnel. Par contre, on retrouvait la tendance complètement inverse et dans la même proportion pour tout ce qui est apprentissage projet. Et donc, par ce biais-là, en mélangeant tout le monde, eh bien, tout le monde tire tout le monde vers le haut. Et puis, ça se donne des coups de main. Et donc, c'est une notion quand même importante, hein, cette intégration des parcours, cette mutualisation. Nous, dans le département, on l'a poussé assez loin, au plus loin possible, le plus loin possible étant limité par la gestion des emplois du temps, qui n'est pas toujours simple, hein, je ne vous le cache pas. Ensuite, on a... l'éco-conception, ça impose une parfaite maîtrise des fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est les cours, les TD, les TP. Puis, ces connaissances vont devenir compétences en passant par l'approche projet, où ils vont commencer déjà à aller plus loin, et puis par l'approche entreprise. Donc vous voyez, en gros, un quart, la moitié. La moitié, là je ne parle que des généralistes, hein, je ne parle pas des apprentis. La moitié du temps est passée en entreprise. Un quart dans des modes projet, il y a au moins un projet par semestre, qui intègre, c'est à ce moment-là, dans les modes projet, qu'on intègre des couches supplémentaires. Et pourquoi pas, à ce moment-là, des couches relatives à l'éco-conception. Pourquoi pas des fonctionnalités environnementales. Ce n'est pas dans la partie court TD où on leur apprend les fondamentaux, où on leur apprend à calculer, on leur apprend à concevoir, on leur apprend à faire des chantiers, qu'on peut ajouter ces choses-là. Bon, je passe, hein, sur les référentiels des compétences des uns et des autres. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, ça se comprend. Et tout ça, de toute façon, fait les choses ensemble. Alors ici, je vous montre quelques exemples de modules ou de cours orientés éco-conception. Il y en a quand même. Donc vous avez par exemple là-bas à gauche tout ce qui est 8.2, c'est, des choses c'est le programme relatif aux apprentis, là, en gris. En gris, c'est tout ce qui est relatif aux apprentis. Donc, on est sur la sobriété énergétique. Donc, on est sur des sujets comme ça, en haut à gauche. En dessous, on est sur les IGO. On est sur une approche éco-conception, maintenance, réhabilitation des structures. Faire un DIAG, exploiter le DIAG, comprendre les pathologies, proposer de la réparation, des pistes et de réhabilitation et de confortement. En haut à droite, c'est relatif, il y a du BE là, le 9.3, conception bioclims, STD, système énergétique, donc eux aussi sont sur la sobriété énergétique, et puis là, ça concerne tout le monde, ce qui est en gris à droite là, 9.4, etc. Il y a de la réhab, donc la fin du parcours s'est orientée sur la réhabilitation lourde des structures, la réhabilitation énergétique et la construction en bois, matériaux naturels. Voilà, à titre d'exemple.
Exemple d'ouvrage éco-conçu maritime, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donner à des ouvrages une co-fonctionnalité environnementale, ça a été fait sur des lestes pour amarrage des navires, que vous voyez dans la photo à gauche, hein, c'est un lest, mais en termes d'interface, de rugosité et de texturation des interfaces pour en faire des habitats. Et vous voyez, au bout d'un an, ça c'est en Guadeloupe, là, au bout d'un an sous l'eau, ben, on a fait de cet élément en béton un HLM à langouste. Donc, bien sûr, aller vers l'éco-conception, c'est faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent accéder à tous les métiers, nos diplômés peuvent accéder à tous les métiers de la construction. Ici, je l'ai mis juste avec des anciennes élèves avec qui je suis sur LinkedIn, là, amis, là, tout ça, là, parce que je ne suis pas trop réseau social. Bon, à part celui-là, ce qui me permet d'aller voir ce que font les anciens, ce n'est pas mon truc. Donc, vous voyez, j'ai mis que des filles, et je fais exprès, parce que je suis un homme, donc j'ai dit, tiens, on va mettre en avant les femmes. Et comme on leur dit aux élèves, on leur dit, ben, parce qu'on en a quand même plus de 30%, hein, nous, dans le département, en génie civil, plus de 30% de filles. C'est un peu plus que la moyenne que ce que fait l'école au sens large, donc on ne peut pas faire plus, hein, puisque nous... moi, je leur dis, osez tout, mesdames, tout vous est ouvert. Et donc, ces élèves sont capables de se positionner partout. Et avec cette envie qu'elles ont, de mettre en avant ces aspects d'éco-conception, eh bien, on se rend compte que, malgré tout, ils arrivent à promouvoir ces nouvelles visions, un petit peu, dans la profession. Voilà, on leur explique aussi qu'un ingénieur, il doit savoir se comporter. Hein. C'est qu'une entreprise, il y a des codes, il y a des choses qu'il faut comprendre. Donc, on leur dit, il faut être professionnel, il faut respecter, tout ça, machin, implication et travail, hein. L'humilité n'est pas la moindre des qualités qu'on met en avant. Et on leur dit, voilà, en 2 ans, on vous apprend les fondamentaux. Donc, on a trouvé une photo avec un gars qui est suspendu, il tourne un tournevis. En 3 ans, ben, vous êtes prêts. Et en fin de formation, vous décollez. Hein. Et comme je leur dis, post-combustion allumé. Hein. Faut y aller, quoi, hein, comme a dit madame. Hein. Donc, on forme aussi les jeunes par la recherche, ici avec des exemples de lest éco-conçus qu'on a mis dans le port de Sète. Ceux-là ont été faits en plus avec des sédiments de dragage dans les bétons. Et on voit au niveau du suivi, là, alors je ne sais pas, il n'y a pas de pointeur sur ce truc, je pense, mais là, en bas à droite, si on voit une petite ombre devant, eh bien, c'est un loup, hein, qui a élu domicile dans notre joli ouvrage. C'était 1 mois après l'immersion. C'était au mois d'août, j'y suis pas retourné depuis, mais je vous le montre, hein, je mens pas, il est là, ici, là. Voilà, bon, donc je vais pas revenir sur tout ça, parce qu'il faut que je laisse du temps de parole à mon collègue, mais dans tous les cas, ça donne du sens, c'est y compris pour nous, hein, parce que ça a quand même largement révolutionné notre propre vision de notre propre formation, qui finalement a pas tant évolué que ça, mais par contre, dans son contextualisation et sa manière de la présenter, ça n'a plus rien à voir. Voilà, les flux, hop, l'organisation qu'on a choisie, qui n'est pas si simple, et voilà, donc le département génie civil, aujourd'hui, c'est créer les bâtiments et les grands ouvrages de demain au service de l'homme, pour innover, et innover pour préserver et régénérer la nature. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, madame, quand vous avez parlé de régénération ce matin, on l'a intégré. Merci Jean-Claude. Donc là, je vais vous parler un petit peu du département Ecomap de l'école des mines d'Alès. Alors, c'est un département peut-être un peu plus éloigné de ce qu'on a entendu ce matin, mais nos étudiants, nos futurs ingénieurs vont concevoir des objets, des matériaux, des produits qui seront peut-être utilisés dans le bâtiment, dans le génie civil. Alors, Ecomap, c'est pour éco-conception, matériaux et procédés. Et si on devait définir ce département par rapport aux ingénieurs qu'ils forment, on pourrait dire qu'ils forment des ingénieurs qui conçoivent des matériaux et des produits performants, innovants et éco-responsables. Et donc, les mots-clés qu'on va retrouver dans les différents descriptifs et les différentes formules, c'est éco-conception de nouveaux matériaux, conception de produits et de procédés innovants, développement de produits respectueux de l'environnement. Hop. Et donc, ce qu'on montre aux étudiants, mais qu'ils connaissent déjà beaucoup trop bien, c'est ces images-là,
avec tout un tas d'objets en fin de vie qu'on récupère chez nous dans certaines usines ou qu'on retrouve un petit peu partout sur la planète. Dans n'importe quel territoire, on va retrouver charrié par la mer ou par les rivières, tout un tas de déchets. Et donc là, cette prise de conscience collective, elle est mondiale. Et aujourd'hui, on se pose des questions sur notre façon de vivre et également sur tous ces produits qu'on génère et dont on ne sait pas forcément quoi faire en fin de vie. Alors, aujourd'hui, on n'a plus le choix, il faut trouver une solution. Donc, que faire de ces produits? Comment les valoriser, si c'est possible? Il faut que ça devienne possible. Comment se passer de certains matériaux, puisque certains matériaux posent vraiment problème. Et de toute façon, il y a petit à petit tout un tas de législations qui se mettent en place et qui interdisent ou alors qui limitent l'utilisation de certains matériaux, de certains produits, de certaines molécules. Et aussi, comment imaginer les produits de demain pour éviter ces problématiques-là. Donc là, les étudiants nous demandent, mais quel secteur ça touche? En fait, c'est tous les secteurs industriels sont touchés par cette évolution-là. Et donc, là, vous avez tout un listing de bâtiments, mais elle n'est pas exhaustive. Il y a déjà des industries qui ont commencé à s'y mettre. Donc, on retrouve dans différents domaines, soit du recyclage, soit des évolutions de matériaux avec du biosourcé. Donc voilà, à partir de votre bouteille d'eau, on va pouvoir en faire du textile. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du textile à la fin? Est-ce qu'on va pouvoir, en faire quelque chose? Donc aujourd'hui, il y a des pistes, il faut pouvoir les trier. Donc il y a des machines, il y a des gens qui travaillent sur le tri de ces matériaux-là. Et ensuite, il y a des ingénieurs également qui travaillent sur la revalorisation une fois qu'on a trié. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc ça amène tout un tas de défis scientifiques et techniques qui doivent être relevés, et ce sont les ingénieurs de demain qui le feront, et donc il faut les former pour ça. Alors, quelles compétences on va développer dans notre département Ecomap? Pendant des années, ce département existait, mais il était plutôt centré, donc, par rapport aux produits, sur les matériaux, les procédés et la conception. Et il faut dire la vérité, c'est plutôt sur ces dernières années où le développement durable est devenu quelque chose d'essentiel. Il est arrivé, et maintenant, il s'est imposé. Et c'est ce qui va maintenant piloter tout le reste. Alors, l'éco-conception, c'est quelque chose aujourd'hui qui est normé. Il y a une norme qui définit ce que c'est que l'éco-conception. Donc, c'est la norme ISO 14006 qui en donne une définition. Et en fait, dans cette définition, on dit que ce développement va être dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc, tout au long de son cycle de vie. En fait, la réalité fait que... il y a un objectif pour un industriel qui va fabriquer un produit, c'est déjà que ce produit réponde aux besoins des utilisateurs en améliorant l'impact environnemental tout en restant économiquement viable. Donc l'éco-conception, elle est obligée aussi de tenir compte d'autres paramètres qui aujourd'hui sont importants en tout cas. Donc nos étudiants, lorsqu'ils auront à concevoir un produit, il faut qu'ils réfléchissent de façon globale et dès le départ, dès la conception, ce qui n'était pas le cas avant, c'est de réfléchir aux matériaux qui vont être utilisés, aux procédés de fabrication, également à l'utilisation du produit durant sa durée de vie et dès le départ, de penser à la fin de vie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'était pas forcément le cas. Donc nos étudiants, ils sont sensibilisés, ils sont formés à pouvoir faire une analyse de cycle de vie dès le départ, pour pouvoir faire en sorte de développer au mieux le produit qui les intéresse. Donc, on les reçoit après un an et demi de tronc commun, où là, ils ne sont pas encore spécialisés. Et donc, au bout d'un an et demi, ils vont démarrer leurs enseignements. Et il faut commencer par la base. C'est-à-dire que pour pouvoir éco-concevoir, on est obligé, pour ces étudiants, ils sont obligés de connaître les matériaux, la mécanique, la conception, les procédés. Et ensuite, ils vont également s'intéresser aux éco-matériaux, à la tenue en service. Donc tout ça est nécessaire pour concevoir au mieux, éco-concevoir au mieux. Donc ce sont des bases nécessaires. On a des cours, des TD, des TP comme un petit peu partout. Ça représente à peu près 60% de leur temps. Mais il y a toute une approche projet qui va leur permettre
d'exploiter ce qu'ils ont appris dans ces différents cours, avec des missions de recherche et développement, des projets comme le projet co-conception, des projets fil rouge, qui vont les faire réfléchir et travailler sur ces produits avec une méthodologie nouvelle. Il y a également des visites de sites industriels pour voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, pour échanger avec les acteurs et savoir sur quoi il va falloir bouger, changer pour évoluer dans la bonne direction. Alors, j'avais pas forcément bien saisi le type de journée ici, donc j'avais préparé des choses qui sont peut-être en décalage. Donc, j'aurais assisté une fois précédente, j'aurais fait peut-être de façon différente. Donc là, je vous donne quand même un exemple de ce que c'est qu'une mission R&D pour nos élèves. Donc sur à peu près 5 semaines, ils vont être confrontés à une problématique réelle de recherche et de développement sur des sujets académiques, mais également des sujets avec des industriels, avec des sujets très variés, et notamment dans tout ce qui est génie civil, construction, bâtiment. Il y a tout un tas de sujets, comme celui-là, par exemple, le développement de produits éco-responsables à partir de produits recyclés. Donc, il y a le fait de concevoir un produit, c'est intéressant, mais il va falloir aussi également, il y a de nouvelles contraintes qui vont s'imposer, auxquelles on n'avait pas forcément, auxquelles les produits actuels n'avaient pas de problème. Et donc, il y a toute une démarche de revalidation de ces produits-là. Voilà, j'ai mis d'autres exemples à ce niveau-là. Donc, on a des choses assez nouvelles, hein, par exemple, le développement d'isolants végétaux à base de mycélium. Donc, ça peut être des sujets proposés par les étudiants ou par les enseignants-chercheurs ou en collaboration avec des industriels. Donc, il y a des choses assez nouvelles pour lesquelles il faut de la recherche fondamentale et sur lesquelles les étudiants vont pouvoir travailler. Donc, ça les sensibilise bien sûr à ce qu'ils feront plus tard. Des projets aussi fil rouge où le but du jeu, c'est d'aller du cahier des charges jusqu'au prototype final, avec un choix des matériaux sur lequel l'aspect éco-conception va pouvoir jouer. Donc l'obtention du prototype et ensuite l'évaluation des propriétés finales. Parce que vous gardez en tête que si l'objet ne passe pas les essais, c'est-à-dire qui valide le potentiel d'utilisation, ça ne pourra pas passer. Donc oui, concevoir, mais il faut également que les produits soit à la hauteur de ce qui est attendu. Donc tout un tas de projets différents, ça peut être sur des dispositifs médicaux sur lesquels il faut réfléchir également à la fin de vie, c'est une fois qu'on l'a utilisé, comment on va pouvoir et pas forcément l'éliminer en décharge. Donc il y a toute une réflexion qui est faite sur des sujets très très variés. Alors nos étudiants, ils vont vers quel secteur? ECOMAP est un département très généraliste, donc on les retrouve un petit peu partout. Donc sur des postes très variés, ingénieur bureau d'études, ingénieur d'affaires, chargé de projet. Donc le fait qu'ils se soient sensibilisés à l'éco-conception et qu'ils puissent aller dans des métiers très différents, dans des secteurs industriels très variés, fait qu'on va pouvoir diffuser ces notions d'éco-conception. Là, je vous ai mis un certain nombre d'entreprises dans lesquelles finissent nos étudiants. Ce n'est pas exhaustif non plus. Alors, on a des étudiants qui cherchent, enfin, même la majorité d'entre eux, où le salaire n'est plus ce qu'il y a de primordial. Ils ont besoin de sens. Et lorsqu'ils vont choisir un métier ou une entreprise, ils ont besoin que leur futur métier ait du sens. Et donc, ils sont capables de refuser des offres très intéressantes, hein, mais qui ne sont pas en adéquation avec leur façon de voir, avec leurs valeurs, avec la façon dont ils voient la vie. Par contre, il faut être conscient aujourd'hui que si vous voulez avoir une possibilité de changer les choses, d'avoir un impact fort, vous ne pouvez pas uniquement aller dans les... dans les organismes très vertueux, dans les ONG, c'est intéressant, mais ça ne changera pas forcément les choses. Aujourd'hui, nos étudiants, ils ont besoin d'aller dans les grands groupes et de pouvoir influer sur ces politiques-là, dans les politiques de ces grands groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un boycott, par exemple, de Total Energy qui se fait par tout un tas d'étudiants, mais malheureusement, la capacité de changer les choses et d'investissement de Total Energy,
elle est absolument phénoménale. Et c'est là que nos étudiants, avec leur vision nouvelle des choses, doivent aller pour changer les choses de l'intérieur. Voilà, alors bon, ça c'est comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, nos étudiants ils ont des parcours chacun personnalisés très différents, donc on ne forme pas qu'un seul type d'ingénieur, ils sont très variés et ce qui va impacter c'est ce qu'ils ont vu chez nous mais ce qu'ils ont vu ailleurs également, donc c'est des parcours très personnalisables. Ils vont se former un petit peu partout dans le monde et ils ne reviennent pas forcément tout de suite chez nous. Et en tout cas, une fois qu'ils sont diplômés, ils ont tendance à partir. Donc, cet impact, ce qu'on leur apporte chez nous à l'école des mines à l'Est, ils vont pouvoir ensuite le diffuser et échanger, diffuser dans le monde entier. Voilà, il y a eu également des échanges sur toute la France avec nos collègues de Montpellier, de Marseille, un petit peu partout aussi en France par le réseau des écoles mines télécom. Et voilà, j'en ai fini. J'ai pas été trop long. Bon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça fait vraiment du bien d'entendre ce discours-là chez les ingénieurs. Et je vous avoue que j'ai cherché sur Internet qui dispense des formations dans ce secteur-là. Et ben, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai cherché dans le coin d'abord. Donc je vous ai trouvé, mais on m'en avait parlé. On m'avait parlé de vous. Et puis en fait, mon voisin, il vous connaît très bien, en fait, Jean-Bernard Mehmet, évidemment. Il disait, bah oui, Jean-Claude, voilà. Et donc la boucle a été bouclée avec vous, ça c'était clair. Et après, en cherchant, bah, je me suis pas perdue, mais je suis tombée pouf sur Pascal. Voilà, c'était ça, mon parcours autour de la formation. Alors, je suis sûre qu'il en existe encore d'autres. Mais quand on est étudiant, enfin, je me suis mise dans la peau d'une étudiante qui cherche à se former là-dedans. J'aime bien ça, alors je vais me former, alors je vais où? Voilà. Et ben, franchement, ça ne court pas les rues. Hein. Donc. Il faut appuyer dessus, pardon. Il y a un petit bouton là sur le côté. Tu n'appuies pas, tu parles. Comme ça, c'est bon. Ouais, donc c'est quelque chose qui y a une prise de conscience globale maintenant. Ça ne veut pas dire encore une fois que ça révolutionne les parcours. Hein. À un moment donné, Belkacem l'a montré, il faut savoir faire du procédé, il faut savoir faire des matériaux. Ce fondamental-là est irremplaçable, encore plus que si on était moins ambitieux. Mais comme on est plus ambitieux, qu'on veut faire mieux qu'auparavant, ce qui est louable, mais les fondamentaux sont incontournables, parce que ça demande plus de compétences. Et ce qui est compliqué pour nous maintenant, c'est ça, c'est de produire des gens qui ont une capacité de vision systémique, mais en même temps qui sont capables d'être pointus sur un ou plusieurs sujets. C'est pour ça que je vous dis, on arrive un peu à la limite des systèmes où, ben, de toute façon, tous les étudiants n'étudient pas tout à fait pareil. Ils vont chercher des choses qui sont un peu en lien avec leurs valeurs. Et puis, tiens, j'ai un exemple en tête. J'ai une étudiante qui était chez nous, en génie civil, qui venait me voir en début de département, me disant, monsieur, moi, je veux faire du biomimétisme. Alors, je lui ai dit, ben, vas-y, cherche à l'export tout ce que tu vas trouver. Elle m'a apporté des formations, biomimétisme, machin, tout ça, c'est du greenwashing, hein, c'est de la peinture, hein, c'est du pipeau. Hein. Et donc, je lui ai dit, mais tu vois, si tu veux vraiment faire ça, fais la partie bâtiment énergie, on te change d'option, c'est pas grave, fais ça, et là, tu seras au cœur du sujet. Et là, elle revient faire cours, elle est sortie il y a 2-3 ans, elle revient faire cours à nos étudiants, elle leur parle de sobriété énergétique, mais avec une vision qui est la sienne. Et elle m'a dit, au bout du compte, oui, vous aviez raison. Il faut vraiment être, comme le disait Belkacem, au cœur du truc. Les jeunes qu'on forme, nous, on les forme pour l'industrie. Ils tiennent le tournevis. Donc c'est à eux de le tourner dans le bon sens. Quoi. Exactement. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour moi, ça c'est vraiment la définition d'un ingénieur, c'est de faire le lien entre toutes les parties. Et tu dis, voilà, la formation, c'est génie civil. OK.
mais il y a tout ce qu'il y a autour, justement. C'est ça l'intérêt. Donc, c'est super que vous boucliez la boucle là-dessus. C'est ce qu'on demande aux ingénieurs. Donc, et d'avoir cette vision au-delà de, bah, d'une partie qu'on croit être définie comme, selon certains critères. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien un peu la formule de cette journée-là. C'est qu'on déconstruit un petit peu les schémas et on se rend compte qu'en fait, on est tous d'accord. I'll play it off, but I'm dreaming of you. I'll keep my cool, but I'm fiending.